ouverte aussi sur Et Tola. le direct commence dans quelques secondes. Sur Facebook, je précise. Et normalement, surtout là aussi, parce qu'on commence à 10. Donc, Déborah, tu pourras commencer. Vous médites. Normalement, c'est bon, c'est déjà bon. Tu peux Ok, commencer. je peux commencer. Ok. Bienvenue à cette troisième et dernière rencontre du cycle de conférences organisée par le service Maison Jean Monnet du Parlement européen et la Maison de l'Europe de Paris à l'occasion du 70e anniversaire de la signature du traité de Paris. Ce parcours de réflexion. Ces parcours de réflexion autour de l'Europe de l'énergie a démarré avec l'analyse des années 50 et la création de la première communauté européenne qui naît en lien étroit avec la question énergétique de l'époque. La communauté européenne du charbon et de l'acier voit le jour avec les traités de Paris en 1951 grâce à l'idée de Monnet et les soutiens de Schuman et les autres pères fondateurs de l'Europe en tant que porteurs politiques de ce projet et la mise en commun de ces deux principales ressources à la base de toute industrie de l'époque, le charbon et l'acier, a représenté le point de départ pour une Europe en paix à travers l'établissement des bases communes de développement économique. Il s'est agi d'une méthode innovatrice et une idée qui reste de grande actualité si on pense aux nombreux antagonismes internationaux qui encore aujourd'hui naissent et s'exacerbent autour des questions énergétiques. Un premier exemple, 60 ans après la signature du traité de Paris, le charbon et les autres énergies fossiles ont été les protagonistes et c'est sur ceci que l'affrontement était le plus aigu à la conférence internationale sur le climat, la COP26, qui s'est clôturée la semaine dernière à Glasgow. Autre exemple, la menace de coupure de gaz vers l'Europe par la Biélorussie, qui est au cœur d'une controverse ces jours-ci. Et dans ces cas, même la question énergétique s'est entremêlée avec d'autres enjeux majeurs de notre époque, comme l'autonomie et la précarité énergétique, ainsi que la question de l'immigration. Pas étonnant donc que la question énergétique soit redevenue l'un des grands sujets dans les débats électoraux. L'énergie est-elle donc la source et ou la solution aux nouvelles fractures sociales et politiques? Comment, en 2021, trouver des chantiers faisant sens, répondant aux aspirations des Européens pour lutter contre les changements climatiques? Quels moyens, en particulier budgétaires, utiliser pour mettre en place les politiques de transition nécessaires? Suite donc au premier webinaire, le traité de Paris, premier souffle de l'unité européenne, et le deuxième consacré à la méthode des petits pas et la transition énergétique, avec la rencontre d'aujourd'hui, nous nous proposons de faire un point sur le présent pour ouvrir les débats vers le futur. Je laisse donc la parole à Michel Dordevier, président de la Maison de l'Europe de Paris, pour son mot d'introduction et la présentation des intervenants. Merci. Bonsoir Déborah et merci de tes propres mots d'introduction qui étaient parfaits. Alors, effectivement, cette troisième conférence qu'on co-organise avec la Maison Jean Monnet, elle a pour objectif de regarder demain, de regarder les perspectives. Et le grand intérêt, quand on a planifié cette date, c'est ce qu'on n'avait pas planifié en fonction de la COP26, mais on arrive au surlendemain ou quasiment 3 jours après la COP26, il y a quand même pas mal d'éléments dont nous pourrons bénéficier ce soir de la part d'un élu de premier plan, David Cormann, qui a été secrétaire national des Verts de 2016 à 2019, année à laquelle il a été élu parlementaire européen. Donc, en tant que député européen, l'intérêt, c'est que quels sont les chantiers de demain, comment demain on peut faire ce Green Deal, sachant qu'on part, et Déborah le rappelait à l'instant, de positions souvent très nationales, avec un arrière-plan le fait que peu de pays, peu d'industriels ont envie de communautariser les sujets, peut-être comme ce fut le cas dans les années 50-51. L'élément aussi à prendre en compte, c'est un élément industriel, justement, je l'évoquais, et avec Myriam Maestroni, qui a été dirigeante d'entreprise, qui a eu un parcours à la fois à but à gaz, mais à économie d'énergie, et un parcours qui, depuis 15-20 ans, est marqué par l'idée de regarder concrètement, à travers la Fondation E5T, ce qui se fait en matière d'énergie, de transformation de la société. Je crois qu'on a deux orateurs et deux intervenants qui, à des niveaux différents, vont nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est, je remets dans la commission Juncker, c'est-à-dire avant-hier, et il y avait un thème qui était l'union de l'énergie. Et on avait même un vice-président de la commission qui était en charge de l'union de l'énergie.
au bout de 5 ans, je ne sais pas si l'Union, elle a formidablement progressé. Et donc, ce qu'il faut qu'on challenge aujourd'hui aussi, c'est l'écart peut-être entre le discours, la projection, l'ambition, et puis la réalité, les freins à cette réalisation et cette ambition. Je crois que c'est un des éléments, y compris, on a la chance d'avoir avec nous un homme politique, mais les citoyens, s'ils sentent qu'il y a une distance entre le discours et la réalité, ben, ils vont remettre en cause peut-être leur croyance, en tout cas leur conviction que ça se passe au niveau européen et que l'Europe peut faire quelque chose. Et donc, je crois que voilà, aujourd'hui, notre sujet, c'est regarder 2030, 2050, qu'est-ce qui est réalisable entre les États membres, quels sont les chantiers qui doivent être européanisés, et de manière réaliste, quels sont ceux qu'on peut faire, et puis aussi dans une logique sans doute internationale. Encore une fois, Glaxo a avancé sur un sujet qui est le marché du carbone. On va avoir dans quelques semaines peut-être des propositions sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Est-ce que c'est un chantier qui a du sens? Est-ce que le chantier du stockage a du sens? Est-ce que l'hydrogène, ça ne serait pas plus pertinent de le faire à 27 que d'additionner des budgets nationaux de R&D sur l'hydrogène? Est-ce que les grands réseaux, M. Biden, il a fait adopter un plan d'infrastructure de 1 200 milliards de dollars il y a encore quelques jours. Est-ce qu'on considère que les réseaux, c'est un acquis indéfectible? Est-ce qu'on a une stratégie commune et communautaire sur les réseaux? Bref. Voilà les quelques sujets sur lesquels je crois que David Cormand et Myriam Maestroni vont être des interlocuteurs idéaux. Nous terminerons après un échange, et donc nous sommes nombreux aujourd'hui pour cette discussion. Vous pouvez bien entendu, au fil de la présentation de David et de Myriam, poser vos questions. Je serai dans le rôle de celui qui va recoller vos questions, les adresser à travers le chat. Donc, n'hésitez pas par écrit à formuler vos questions. Je les retransmettrai sans filtre, comme dirait d'aucuns. Et par ailleurs, à la fin, Christophe Bounot, qui travaille sur une synthèse académique de ces 3 conférences, lui-même, mais aussi avec des étudiants brillants et des doctorants de l'Université de Bordeaux-Montaigne, Christophe peut-être interviendra aussi avec son regard d'historien et d'universitaire sur le débat, et puis nous racontera aussi l'état de la publication qui est un projet. Alors, le protocole, je pense qu'il n'y a pas de protocole. David, Myriam, lequel de vous a envie de démarrer un petit peu et de lancer l'échange? Je crois qu'on avait mis David dans le menu que j'ai devant moi, mais voilà, mais à votre convenance, et vous avez largement le temps pour présenter votre sentiment, votre point de vue, et puis après, il y aura un jeu de questions-réponses. Je peux, comme vous voulez, je peux commencer, si vous voulez. Enfin, allez-y, David. C'est possible, j'y vais. D'abord, bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir débattre de ces sujets d'Europe et des thématiques que vous avez évoquées, qui sont, je trouve... en partie paradoxalement, pas si abordées que ça. Ou en tout cas, quand elles le sont, c'est un peu par le petit bout de la lorgnette. Parce que les sujets que vous évoquez, c'est des sujets tout simplement qui sont existentiels pour l'Union européenne. Et vous avez bien fait dans votre parcours de conférence d'avoir commencé par l'histoire, parce que la politique, c'est de l'histoire et de la géographie. Et pourquoi on crée l'Union européenne au départ et de quoi on la dote? D'abord, la feuille de route de l'Union européenne, c'est la paix et la prospérité, c'est ça la promesse au peuple européen quand on crée l'embryon de ce que va devenir l'Union européenne. Pourquoi la paix? C'est facile à comprendre, c'est qu'on sort non seulement de la Deuxième Guerre mondiale, mais on sort de siècles et de siècles de conflits armés sur notre continent, et la prospérité parce qu'on sort d'une période de pénurie liée à la destruction, à la guerre, etc. etc. Et donc, il y a une promesse politique qui est faite au peuple européen de dire nous devons nous organiser ensemble pour assurer la paix et la prospérité, c'est-à-dire l'accès à l'abondance. C'est ça la promesse à la fois de l'Union européenne, mais aussi la promesse moderne de la révolution industrielle qui a commencé bien avant et qui est cette promesse prométhéenne d'une humanité qui, par le progrès technique, par l'accès à une énergie que l'on croyait illimité et éternellement bon marché, allait permettre d'apporter l'abondance pour toutes et tous. Évidemment, 70 ans après, les choses ont changé. D'abord,
on s'est rendu compte que cette promesse d'abondance avait ce que l'on appelle pudiquement, impliquait ce que l'on appelle pudiquement des externalités négatives. C'est le changement climatique, c'est l'extinction de la biodiversité, c'est la fin, ou en tout cas c'est la fin, c'est la démonstration que le modèle économique qui devait nous emmener vers un progrès et une évolution positive sans fin a des ratés avec des inégalités sociales qui existent, etc., etc., etc. Et donc, on est dans un momentum où, de mon point de vue, l'Union européenne doit redéfinir son objet social. Qui est toujours autour de la question de paix et de prospérité, bien sûr, mais sur une manière différente. Les deux outils économiques que vous citez et que vous évoquez dans le petit document qui définit notre débat de ce soir, c'est la référence évidemment au CECA, hein, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le charbon, énergie, l'acier, la mécanique, c'est les deux piliers de la société productiviste, je vais dire, pour faire simple, de la croissance productiviste traditionnelle, et le New Deal, qui est aussi le New Deal de Roosevelt, qui est à un moment l'outil économique dont se dotent les États-Unis pour faire une relance keynésienne, qui là aussi s'appuie sur la production, la relance par la consommation, etc., etc., et des investissements d'infrastructures, etc. Donc ces deux références historiques et économiques, elles ne sont pas neutres, y compris en termes d'imaginaire. Et là-dessus, je n'ignore pas les aspects positifs de ces deux expériences et de ces deux réalisations économico-politiques, mais je pense que dans le moment où on est, il faut être lucide sur le fait qu'on ne pourra pas reproduire à l'identique ce même type de schéma, because les limites planétaires, les implications que ça aurait en gaz à effet de serre, et etc., etc., etc. Donc, à la fois, on doit s'appuyer sur des références historiques, y compris pour que les citoyennes et les citoyens comprennent de quoi on parle, à la fois, il faut s'affranchir d'un certain nombre d'imaginaires qui étaient liés à ces références historiques et qui ne sont pas reproductibles maintenant que l'on connaît un certain nombre de limites physiques, etc., etc. Et donc, par rapport à, quand on ne parle plus de New Deal, on parle de Green Deal, le Green Deal, dont a parlé von der Leyen et qui est censé être mis en place au niveau européen, il ne peut pas être un copier-coller de ce qu'était le New Deal rooseveltien d'il y a un peu moins d'un siècle, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et au niveau européen, je pense que ce nouvel objet social, plutôt que le charbon et de l'acier, évidemment, serait plutôt, j'ai envie de dire, la communauté européenne de la sobriété et du renouvelable. La sobriété, c'est-à-dire d'avoir un imaginaire où on n'est plus dans une promesse, comment dire, de partage de l'abondance illimitée, puisqu'on sait que cette abondance illimitée est une promesse intenable, mais une promesse de sobriété juste, sobriété pour ceux qui consomment le plus, justice pour ceux qui aujourd'hui sont déjà dans la pénurie, parce que cette société d'abondance, elle a débouché pour un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et au-delà de nos frontières, sur une forme de pénurie. Donc, c'est quoi le projet, de mon point de vue, européen, fédérateur? Pour moi, il peut se résumer en trois verbes, en trois mots. C'est l'Union européenne qui répare, parce qu'il y a, je l'ai dit, notre modèle de production et de consommation hérité de la révolution industrielle a provoqué des dégâts, et c'est un progrès et un projet politique en soi de réparer les destructions environnementales, par exemple, mais y compris les injustices et les inégalités sociales que notre modèle a générées. Ça, c'est la réparation. Protéger, parce qu'on le voit bien, nos concitoyennes et nos concitoyens sont projetés dans un monde où on a le sentiment de perdre le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. C'est la libéralisation de l'économie et sa mondialisation, où on a l'impression de ne plus avoir la main sur un certain nombre de décisions qui nous dépassent, alors que l'Union européenne, en tant que première puissance économique et donc politique du monde, a des leviers et la masse critique pour pouvoir agir sur le réel et donc protéger efficacement nos concitoyennes et nos concitoyens face aux excès de cette mondialisation libérale pour faire vite, mais aussi les protéger par rapport aux changements et aux transformations qui sont nécessaires à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de perdants dans cette transition
écologique, économique que l'on souhaite, donc réparer, protéger. Et le dernier pilier, c'est préparer. C'est préparer l'Union européenne du 21e siècle. Dans les signaux qui montrent qu'on est dans un momentum potentiel de bascule, il y a les éléments politiques et géopolitiques que l'on voit bien. Il y a aussi, on ne peut pas ne pas y faire allusion, le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et politiquement, on voit l'émergence, y compris dans notre pays, d'une tentation populiste, souveraino-nationaliste, qui sont en train de fragiliser l'Union européenne. Et donc là, il y a un imaginaire positif à opposer à cela, et pour ça, effectivement, il faut un projet fédérateur. J'ai vu qu'il y a des intervenants qui vont parler de la question des infrastructures. C'est une question fondamentale, parce que les infrastructures, comme leur nom l'indique, structurent le modèle de société dans lequel on vit. Et le modèle de la révolution, depuis la révolution industrielle, ça a été ces véhicules ont été générés par des infrastructures, chemins de fer, routes, infrastructures d'ailleurs des cheminements et d'approvisionnement de matières premières, etc., etc. Et donc là-dessus, il y a une réflexion spécifique à avoir, parce qu'en fonction des infrastructures que l'on choisit de mettre en œuvre, on prépare le terrain, on aménage un territoire qui sera plutôt orienté vers telle ou telle économie. Et donc, penser les infrastructures de la sobriété énergétique, c'est pas rien, parce que c'est pas ce à quoi on est habitué. Au contraire, les infrastructures, elles sont généralement pensées pour accélérer les flux, massifier les flux. Or là, on a une approche qui doit être un peu différente. C'est quoi les infrastructures de la sobriété ? C'est un vrai sujet et ça a des impacts géopolitiques. Là, on est forcé de dire un mot rapide là-dessus. Vous voyez qu'au niveau mondial, il y a des grands blocs puissants, déjà existants, d'autres qui sont en train de se renforcer et qui sont en train de se positionner sur l'échiquier mondial, y compris pour garantir, sécuriser leur approvisionnement en matières premières et en objets manufacturés, d'ailleurs, de façon extrêmement prégnante. Donc, il y a les États-Unis, évidemment, il y a également la Chine. Et là, il y a une réflexion stratégique à avoir pour l'Union européenne. Est-ce que nous voulons nous positionner dans le même imaginaire, j'ai envie de dire, d'accaparement, de sécurisation de ces pays qui disposent de ces matières premières de la même façon que le font depuis longtemps les États-Unis, de ce qu'est en train de faire la Chine, c'est ce qu'elle fait en Afrique, c'est les nouvelles routes de la soie, etc. etc. Ou est-ce qu'on doit avoir une approche, là aussi, différente que ces deux géants ? Est-ce qu'on doit être dans une logique de concurrence sur le même terrain qu'eux, ou est-ce qu'on doit avoir un autre imaginaire ? Je crois qu'il faut avoir une réflexion sur c'est quoi une économie européenne qui, d'une certaine façon, atterrit et donc s'appuie sur les propres ressources que nous avons à l'intérieur de nos frontières, encore une fois, invente une économie plus sobre en matière première, de la réparation, de la réutilisation, etc. etc. Je ne vais pas être plus long là-dessus, mais ça a des applications extrêmement importantes. Et quand on pense de Green Deal, de Green New Deal, de nouvel imaginaire économique de consommation et de production, il faut aussi avoir à l'esprit cela. Pour finir, et je vais être très court là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup parlé, c'est quoi les outils ? Je suis en commission budget au Parlement européen, donc je suis forcé d'en dire un mot. Pour l'instant, c'est compliqué parce que c'est une anomalie d'ailleurs démocratique et politique. L'Union européenne est une démocratie inachevée. On a dit tout à l'heure qu'elle a 70 ans. On ne peut pas reprocher à une démocratie qui a... une entité qui a 70 ans d'être encore inachevée. Pensez à la France, 70 ans après la révolution de 1789, on n'était pas très avancé. D'ailleurs, je pense qu'on était même à la Restauration. Donc, vous voyez que le chemin vers une démocratie achevée, si tant est que la démocratie en France aujourd'hui soit achevée, ça c'est un autre débat, mais je pense que c'est une question qui serait discutable. Donc oui, aujourd'hui, l'Union européenne est une démocratie inachevée en matière de budget et en matière de règles économiques. De souveraineté de l'Union européenne sur ses propres règles économiques, là aussi, c'est une démocratie inachevée. Aujourd'hui, le budget de l'Union européenne est déjà incroyablement petit. C'est à peine un peu plus d'1% des richesses annuelles produites. Si on compare avec les États-Unis, qui est une comparaison un peu idiote, parce que ce n'est pas les mêmes compétences, le budget fédéral américain, mais ça donne un ordre d'idée quand même, c'est entre 23 et 25%
le budget fédéral américain des richesses produites annuelles. Donc vous voyez bien que la force de frappe nécessaire dont aurait besoin l'Union européenne pour réorienter, faire bifurquer son modèle industriel, économique, etc., c'est pas avec un budget de 1% de ces richesses produites qu'on arrive à faire ça. Et en plus, nous ne sommes pas maîtres, nous, le Parlement européen et l'Union européenne, de nos ressources, puisque seulement 25% des ressources qui alimentent ce budget de l'Union européenne sont des ressources propres, c'est-à-dire des impôts qui sont décidés par l'Union européenne. 75%, le restant, c'est des dotations des États. Et donc là, il y a un enjeu politique, démocratique, à reprendre la main sur les ressources propres et donc créer des nouvelles ressources européennes qui auraient la spécificité d'être des ressources qui ne peuvent pas être levées au niveau des États. Par exemple, le carbone aux frontières, ce n'est pas à l'échelle d'un État que vous pouvez faire ça, c'est à l'échelle de l'Union européenne. La taxe sur les transactions financières, c'est-à-dire la taxe sur la spéculation, en clair, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire à l'échelle d'un État, c'est à l'échelle de l'Union européenne que vous pouvez le faire. La fiscalité minimum des entreprises, dans l'idéal, c'est ce qui est en train d'être fait insuffisamment, mais c'est au niveau mondial. Au pire, c'est au niveau européen, mais ce n'est pas au niveau d'un pays que vous pouvez le faire efficacement. C'est la question de la lutte contre les paradis fiscaux, c'est reprendre la main sur une des questions qui définissent ce qu'est une entité qui a une souveraineté, c'est le fait de pouvoir lever l'impôt. Or, on est dans un moment politique compliqué où nous ne savons plus, quand je dis nous, l'Europe, mais les États souverains en général, nous n'arrivons plus à lever l'impôt vis-à-vis de personnes qui ont trouvé les moyens pour ne plus payer d'impôts. C'est les GAFAM, c'est les grandes multinationales, bref, c'est toutes celles et tous ceux qui savent échapper à l'impôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'impôt repose sur les contribuables captifs, c'est-à-dire pas forcément ceux les plus riches. Et donc, ce qui aussi entraîne une défiance par rapport à l'impôt. Donc ça, tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas de transition juste sans fiscalité juste. Dernier point, la question que je viens de poser, c'est qui paye ? Donc qui paye ? Ceux qui aujourd'hui ne payent pas, et plutôt les plus riches, pour faire très simple. On pourrait développer ça, mais voilà. Et tous ceux qui échappent, comment dire, qui bénéficient, qui font du profit sur les externalités négatives sans en payer le prix. C'est le carbone, en fait, il coûte quasiment rien, alors que les destructions environnementales, détruire une forêt, ça coûte rien, ça rapporte de l'argent. Donc là, il y a une question fiscale et éthique qui est fondamentale. Et deuxième sujet, c'est donc, qui paye, pourquoi faire. Et là, il y a tout le débat en ce moment sur ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire définir ce qu'est les véritables domaines qui permettent la transition écologique, où la France, entre parenthèses, joue un bien mauvais rôle et joue un mauvais jeu au niveau européen, puisque pour essayer de sauver le nucléaire, on est prêt à faire alliance avec les pays qui veulent continuer à financer le gaz. Vous voyez qu'il y a des coûts, enfin des jeux un peu compliqués au niveau européen. Voilà, j'ai déjà été trop long, il y aurait eu d'autres choses à dire, mais on pourra y revenir plus tard, parce qu'il y a des questions importantes de souveraineté sur comment on maîtrise la monnaie, c'est le rapport à la BCE, c'est toute la question des traités, mais là, ça nous emmènerait vraiment trop loin. Désolé d'avoir un peu débordé, j'espère que ça a été. C'était vraiment parfait, non, David. Merci beaucoup. Et vous êtes tout à fait dans les purs. Et puis, de mon côté, moi, j'ai noté quelques questions. Je rappelle à toutes et tous que n'hésitez pas à noter vos questions dans le petit fil chat qui est sur votre droite, normalement, si tous les écrans sont comme le mien. Et parce que ça nous permettra après de réintervenir auprès de David Cormand et de Myriam Maestroni. David, encore merci. Et puis, Myriam, je te passe le relais et la parole. Donc, je rappelle que Myriam Maestroni est la présidente fondatrice de la fondation E5T. Alors, E5T, ça veut dire énergie, efficacité énergétique, économie d'énergie et territoire. Et je tiens à dire que quand E5T a été créé, tous ces termes-là qui aujourd'hui font partie du langage commun, ils étaient assez pionniers. Myriam, je te passe. Bonjour, merci à Michel. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, tu viens de le dire. Alors, E5T a un peu évolué, puisque aujourd'hui, E5T, c'est énergie au pluriel, bien sûr, je vais y revenir. Efficacité énergétique, on a parlé de sobriété, je vais certainement le remettre sous cette appellation d'efficacité énergétique. Environnement, économie et territoire. Et on l'a fait évoluer par rapport à l'origine, parce qu'effectivement, je partage tout à fait avec David cette idée
qu'on a besoin de recréer un imaginaire positif, je reprends vos termes, et de le faire avec cette idée de prospérité qui était évidemment cet accès à l'abondance, à la croissance, pour le nommer différemment, qui a présidé un peu à l'histoire de l'Union européenne. Alors, pour moi, aujourd'hui, je voudrais juste faire un tout petit retour en arrière. Je rappelle que lorsqu'Ursula von der Leyen a lancé cette idée de Green Deal, on est en décembre 2019 et finalement, on arrive à la fin de ces fameux 3x20 qui étaient la déclinaison du protocole de Kyoto, notre feuille de route qui, comme son nom l'indiquait, pour une fois que les économistes avaient trouvé un moyen de faire du marketing, avait affiché une ambition, même si ce n'est plus les 3x20 de l'origine, en matière de réduction des émissions de CO2, en matière d'efficacité énergétique et donc de réduction des consommations d'énergie, et évidemment en matière de minimum d'énergie renouvelable. Et donc, arrivant au bout de cette feuille de route, on doit inventer une nouvelle feuille de route pour 2020 et les années à venir, et arrive ce fameux Green Deal avec une position à nouveau historique de l'Union européenne qui dit « nous serons la première zone carbone neutre dans le monde ». Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que quelques semaines plus tard arrive le Covid. Et moi, là, je suis derrière mon écran tous les jours à me dire ça y est, ils vont encore nous refaire le coup de passer la question du climat derrière le besoin de relance économique. Et donc, je surveille tous les jours ce qui se passe, les annonces des uns et des autres. Et on s'aperçoit au fil des mois, pendant le confinement et après, que les choses vont se passer un peu différemment de ce que l'on avait vu lors de la crise, la fameuse crise financière de 2008. Et là, on dit, écoutez, on ne va pas parler de relance économique sans parler de façon d'adresser la crise climatique. Et c'est historique, c'est une réconciliation historique entre deux sujets que l'on a opposés pendant des années, à savoir d'un côté ceux qui pensent l'économie et la croissance et aujourd'hui la relance économique qui va se faire au détriment de la planète. Et on annonce quelque chose que la COP21 avait commencé à préfigurer, l'idée d'une troisième voie où on peut, alors bien sûr c'est un idéal, bien sûr c'est peut-être utopique, mais on va voir que peut-être pas tant que ça, et c'est pour moi une raison d'espérer, on va voir que va finalement se tracer une troisième voie possible entre la décroissance qui tient en compte la planète et le libéralisme qui produit des externalités négatives et qui n'a rien à faire de la planète. Et cette troisième voie, c'est celle de Frans Timmermans qui dit relance économique et en même temps Green Deal, protection de l'environnement. C'est historique. Je crois qu'on a eu le courage au niveau européen d'afficher un enjeu qui est finalement un paradoxe, mais le leadership, c'est aussi savoir réconcilier les paradoxes, c'est surtout ça d'ailleurs. Et là, on va se retrouver, rappelons-le quand même, avec la Chine qui va nous emboîter le pas en septembre, avec Xi Jinping qui dit « nous serons, nous la Chine, et pourtant Dieu sait si on revient de loin, premier émetteur de CO2 au monde aujourd'hui, carbone neutre en 2060 ». Et d'ailleurs, on commence à découvrir quelque chose, Michel, rappelle-toi que nous avions regardé avec E5T il y a plus de 5 ans, lorsque nous étions à Guangzhou, où on disait « attention, la Chine est en train de faire des progrès énormes en matière d'écologie ». Alors que, évidemment, ça c'est un peu le côté du yin et du yang, nous ne voyons que les centrales à charbon, parce que c'est effectivement un des paradoxes de la Chine d'être à la fois un premier consommateur, le premier émetteur, mais également le premier investisseur dans ce nouveau paradigme éco-énergétique. Et dans la foulée, après l'élection de Biden, que fait-il ? C'est extrêmement symbolique. Il dit « nous serons, nous les Américains, carbone neutre à l'horizon 2050 ». Mais à la fin, rendons à César ce qui est à César, c'est l'Europe qui a eu le courage d'afficher cette volonté qui passe par finalement
la construction d'une renaissance, d'une refondation économique de l'Europe. Et je crois qu'on est au cœur de notre sujet. Pourquoi ? Parce que rappelons-nous, alors pardon pour le parallèle et pour ceux qui le trouveraient au nez, mais lorsque nous avons eu la Renaissance, donc à la fin du XIVe, début du XVe siècle, en Italie, on est à la fin du Moyen-Âge et au début des temps modernes, et là, quelques années plus tard, on va avoir, David en a parlé, on va avoir cette révolution industrielle qui va pendant 250 ans, j'arrondis, pardon pour ça, créer ce paradigme éco-énergétique où on va remplacer la force humaine et animale par les énergies fossiles qui vont prendre le relais et s'inscrire dans cette démarche de progrès avec le charbon, le pétrole et le gaz. Et là, d'un coup d'un seul, on dit aujourd'hui, on doit repenser une nouvelle forme de croissance en n'utilisant plus ces énergies-là. Et donc, moi, j'ai envie de vous parler de ce nouveau paradigme éco-énergétique. Parce que finalement, cet imaginaire positif, je reprends vos termes, David, parce que je pense qu'ils sont importants. Ce nouvel imaginaire positif, en fait, il va reposer donc sur la construction de ce nouveau paradigme éco-énergétique avec quatre dimensions. La première dimension, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on va être capable d'imaginer, de concevoir de la croissance découplée de l'utilisation des énergies fossiles. Et on a beaucoup de leviers à notre disposition pour ça. En gros, on dit on abandonne le charbon, on abandonne le pétrole, on abandonne le gaz avec plutôt pas mal de discussions autour du gaz, mais on peut y revenir. Et on va aller vers cette transition énergétique qui nous dit quoi ? Elle nous dit, ben, vous avez à votre disposition une cinquième énergie, celle que l'on ne consomme pas, et permettez-moi d'en parler comme ça, puisque j'ai pendant 10 ans, en venant du pétrole et du gaz moi-même, vécu une phase de rédemption avec une société qui s'appelle économie d'énergie. Et pourquoi j'en parle des économies d'énergie ou de la sobriété, qui est un des enjeux de l'économie ou de l'efficacité énergétique, comme d'une cinquième énergie? Parce que je considère qu'elle fait partie entière du mix énergétique, partie intégrante entièrement du mix énergétique européen. Aujourd'hui, nous avons en Europe une surconsommation d'énergie, notamment dans nos logements, à laquelle nous devons remédier. Nous ne pouvons pas, à l'heure de ce nouveau paradigme éco-énergétique, continuer à avoir des logements en catégorie G qui consomment 9 fois plus d'énergie qu'un logement qui serait construit aujourd'hui neuf dans les règles de la RT 2012 ou bien plus si on prend les nouvelles règles qui doivent rendre nos bâtiments positifs. Donc ça, c'est un premier levier, l'efficacité énergétique, la cinquième énergie, celle que l'on ne consomme pas. Je suis évidemment prête à développer ce sujet puisqu'il va se faire au travers de 5 leviers. Deuxième levier de cette transition énergétique, les énergies renouvelables. Et nous avons besoin, et d'ailleurs c'est bien l'objet du Fit for 55 qui fait partie du Green Deal aujourd'hui, de dire nous avons besoin d'accroître la part du mix énergétique, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et David a très bien fait de souligner malheureusement ce débat français de surreprésentation du nucléaire dans le mix électrique qui nous met en retard. Et c'est grave dans la proportion des énergies renouvelables que nous avons à développer, alors que ces énergies renouvelables, et notamment le solaire, c'est maintenant connu de tous, on sait qu'il y a une énorme efficacité. Troisième levier, c'est finalement l'ombre un peu de ces énergies renouvelables et souvent électriques, c'est la stockabilité. Et donc, on sait qu'on va devoir gérer la question du stockage pour gérer l'intermittence dans la production. Et dans le stockage, ça va aller du large storage électrique en passant par les batteries et bien sûr l'hydrogène qui est un atout énorme. La France a annoncé, le président Macron a annoncé dans France 2030 vouloir faire en sorte que
on devienne le leader européen de l'hydrogène vert. Bon, ce qui m'a un peu surpris, mais ne voyez pas de volonté de provocation de ma part, mais c'est qu'on puisse imaginer de faire de l'hydrogène vert sans énergie renouvelable ou sans aborder la question des énergies renouvelables. C'est un petit paradoxe qu'il faudra qu'on clarifie rapidement parce qu'évidemment, l'un est corollaire de l'autre. L'hydrogène vert, remettons l'église au milieu du village, on en produit que si on a des énergies renouvelables. Et quatrième levier, récupérer autant que faire se peut le carbone de l'atmosphère avec les puits de carbone. Donc, pour la première fois, il devient possible au travers, je vais vite, mais de plusieurs leviers, d'imaginer un découplage entre la croissance économique et la consommation d'énergie, alors que depuis 250 ans, on sait que quand il y a croissance, on va le faire en utilisant des énergies fossiles. C'est le premier pilier du nouveau paradigme éco-énergétique. Deuxième pilier, David l'a abordé aussi, et il a parfaitement raison, et je fais qu'abonder dans son sens, c'est qu'on invente finalement, ou on va prendre en compte ces externalités négatives et pousser les externalités positives avec, évidemment, la mise en valeur, le développement rapide, j'espère, de l'économie circulaire et de l'économie régénératrice. Je crois qu'il parlait de réparer. On est complètement en phase. L'économie ne pourra continuer à être que si on a cette logique de prise en compte d'externalités négatives ou de récupération de matières premières. Il y a plein d'exemples qui étaient des déchets hier et qui deviennent des ressources aujourd'hui. Et cette logique réparatrice, régénératrice, régénérative, appelons-la comme on voudra, mais elle est suffisamment aujourd'hui documentée pour que tout le monde ait clair en tête que nous ne sommes pas dans une utopie un peu idéaliste, mais bien dans quelque chose de concret qui existe. Troisième pilier de ce nouveau paradigme éco-énergétique, c'est les territoires, donc le T de 5T, les territoires et les écosystèmes, puisqu'en fait, on voit bien que qui dit transition énergétique dit décentralisation, dit décarbonation, dit parfois digital, et quelque part, on a eu la vision un peu top-down. Quand on la ramène du terrain vers, donc du bottom-up, du terrain vers le monde politique, on verra que Dieu sait si cette articulation est importante, eh bien, il est évident qu'on va devoir donner des moyens, pas seulement à nos grandes entreprises, mais à nos start-up, à nos petites entreprises, à nos PME, à nos ETI, les moyens de croître, de contribuer et de durer comme le font les grandes entreprises. Et ça, elles pourront le faire si on a une acculturation, une sensibilisation, une éducation, une régénération des compétences. On parle beaucoup d'obsolescence des compétences parce que tout ça va très vite. On a moins de 50 ans, je dirais 10 ans, plus quelques années pour recréer ce nouveau paradigme éco-énergétique quand on vit sur une logique qui a 250 ans d'âge. Donc, on doit accélérer et ça veut dire qu'il faut que tout le monde s'y mette. Mais en tout cas, je crois fondamentalement que la maille territoriale, la maille de chaque acteur économique va prendre une importance fondamentale dans cette Europe face à ce nouveau défi de ce paradigme éco-énergétique à venir. Et puis le dernier levier, c'est bien sûr l'innovation, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de raisons d'espérer. Alors, je dirais que la seule chose qui me préoccupe en matière d'innovation, c'est le rythme, la vitesse à laquelle on peut innover, mais que ce soit de l'innovation sur commande, que ce soit de l'innovation qui peut passer à l'échelle ou de l'innovation qui restera dans une maille locale, finalement, il y a beaucoup de raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer en matière industrielle. On parle de décarbonation. On parle de décarbonation avec, évidemment, la transformation de l'hydrogène gris, donc qui provient, je rappelle, du vaporeformage. Et pour chaque kilo d'hydrogène que l'on consomme, on produit 10 à 12 kilos de CO2. Eh bien, cet hydrogène, on va le remplacer par de l'hydrogène vert qui provient des énergies renouvelables. Contrairement, je ferme ma parenthèse ensuite,
à l'hydrogène rose qui provient pour le coup du nucléaire. Donc, je pense que la France doit être plus précise quand elle affiche ses objectifs et ses enjeux. C'est important. On va avoir les nouvelles formes de mobilité lourde et légère. Je ne crois pas qu'à l'électrification, je pense qu'il va y avoir des solutions à mobilité légère beaucoup plus électriques, pour la mobilité lourde beaucoup plus hydrogène. C'est vrai pour les trains, c'est vrai pour les avions, le zéro émission, c'est vrai pour les bateaux. On a les premiers bateaux hydrogène qui ont été livrés pour des croisières aujourd'hui. On a de l'innovation en matière d'acier, donc de construction des véhicules, acier vert. Il y a déjà des alliances qui ont été affichées pour passer à la construction d'acier vert. Je crois qu'un gros projet va être bientôt annoncé en Espagne avec Mittal. Bon, il y a toute une liste de possibles, un champ des possibles qu'on n'imaginait pas du tout avant. Et donc, pour terminer, et puis on pourra continuer le propos, ce que je voulais finalement dire, c'est que on a un énorme défi, qui est ce défi de la neutralité carbone, mais en même temps, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on le relève, ce défi, juste parce qu'il y a des obligations ou parce qu'il y a la contrainte du changement climatique. Bien sûr, c'est fondamental. Moi, ce dont j'ai envie, et c'est sur quoi on travaille chez E5T, c'est qu'on donne envie aux jeunes, aux Européens, aux entreprises de toute taille, vous l'avez compris, à l'ensemble des parties prenantes, de faire partie de cette renaissance, de cette refondation éco-énergétique, parce que le jeu, finalement, est tellement exceptionnel. Ça arrive une fois dans l'histoire, et je crois que ce moment de l'histoire, il est important. Et enfin, dernier point, puisqu'on parle de l'Europe, et qu'on a parlé de souveraineté, il est évident que chaque pays a voulu conserver sa souveraineté énergétique. Souvent, on me parle de l'Union européenne, de l'Energy Union, et tu sais, Michel, que je te challenge beaucoup en disant, mais bon, ça, arrêtons de parler de l'Energy Union, elle n'existe pas. On a une Europe balkanisée de l'énergie. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand l'Allemagne décide de sortir du nucléaire, on a la France qui se renucléarise, bon, ou en tout cas qui affiche des taux de nucléaire trop importants dans son mix énergétique. Il y a trois présidents qui nous l'ont dit, et à chaque fois, ils ajournent leurs décisions. Donc, cet enjeu de souveraineté énergétique vient s'opposer finalement à la problématique climatique globale. Et c'est là où, moi, je crois, alors pardon pour le manque d'humilité, à une Europe de l'énergie au pluriel, donc j'en ai parlé, de l'efficacité énergétique, à nouveau, on pourra y revenir, de l'économie, donc sous-entendre mon nouveau paradigme éco-énergétique que je viens de détailler, et de l'environnement, parce qu'on va passer, au moment de la Renaissance, on passait à l'anthropocène, on va passer à la symbiocène, qui est un terme que je reprends au philosophe environnementaliste qui a écrit ce magnifique livre « Les émotions de la Terre », où on voit qu'on a besoin d'évoluer aussi dans notre langage, qui nous dit, eh bien, la symbiocène, c'est le moment où l'homme, donc une nouvelle forme d'humanisme, va apprendre à vivre avec cette magnifique Terre qui est la seule dans les systèmes galactiques que l'on essaye d'explorer, qui héberge la vie humaine, rappelons-le, depuis 200-300 000 ans sur une planète vieille de 4 milliards et demi d'années. Ça nous remet en perspective et ça nous remet humble et ça nous fait toucher du doigt si on en avait besoin, parce que Dieu sait si cette pandémie a été utile en ce sens, notre vulnérabilité, mais en même temps aussi notre créativité et notre capacité à défaire et à refaire. Voilà, Michel, ce que je pouvais vous dire en réaction à ce que venait de dire David. Merci beaucoup. Je propose aussi, le temps que vous puissiez un petit peu continuer à noter vos questions et à enrichir le chat, peut-être David, si vous souhaitez réagir un petit peu sur la présentation de Myriam, mais après j'aborderai quelques questions qui sont venues à l'idée un petit peu. Ah non, mais je suis d'accord avec l'analyse qui a été développée là, hein, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'organiser une transition avec de nouveaux modèles, de nouveaux indicateurs. Sur la question du découplage croissance énergie fossile, c'est quand même pas simple parce que en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas faire.
Donc ça, c'est pas évident. Après, le terme de croissance, décroissance, il est compliqué parce que quand on parle généralement de croissance ou de décroissance, on parle d'indicateurs monétaires, c'est le PIB. Donc en fait, c'est un indicateur qui ne dit pas grand-chose de l'état d'une société. Enfin, c'est un critère parmi d'autres. Voilà. Mais la question de ne plus évaluer notre économie avec ce critère-là, c'est un défi en soi. Moi, ma conviction, c'est que, comment dire, il y a un certain nombre d'activités dont il va falloir baisser l'impact. Je vais vous donner un exemple, c'est qu'en réalité, c'est un peu le risque qu'il y a dans la transition, y compris sur le modèle chinois. En fait, les Chinois, eux, ils ont compris, alors je ne sais pas s'ils vont y arriver parce qu'ils continuent à construire beaucoup de centrales charbon, mais ils font du stockage, disent-ils, à côté, ce qui n'est pas non plus une solution extraordinaire. Mais en gros, c'est de dire, il faut garder les mêmes infrastructures, il faut garder le même modèle de société, mais on va substituer l'énergie carbone par d'autres énergies. Et ça, je crois que ça ne marche pas, parce que même si vous utilisez d'autres énergies, dont l'électricité, quelle que soit la manière dont vous la produisez, c'est des nuisances importantes. Et vous faites appel à d'autres matières premières, typiquement pour les voitures, qui sont des métaux rares, etc. etc. Mais c'est le même problème qu'on a avec l'économie du numérique. On a commandé une étude, là, l'hiver, qui va sortir au mois de décembre là-dessus, qui démontre que l'essentiel du coût environnemental extrêmement élevé du numérique, qu'on croit dématérialisé, qu'on croit immatériel, mais qui est extrêmement matériel par ailleurs, c'est au moment de la construction des appareils connectés. Si vous multipliez les appareils connectés, etc. Pour reprendre mon exemple de la voiture, si on continue d'avoir des voitures qui, en moyenne, s'élargissent de 3 cm par an, tous les ans, c'est les SUV, etc., etc., c'est des voitures maintenant qui pèsent 1,5 tonne, 1,7 tonne, 2 tonnes, voire plus de 2 tonnes. Et donc, il n'y a aucun modèle viable qui considère que c'est une bonne idée de transporter une personne qui pèse en moyenne 70 kg dans un véhicule qui pèse 2 tonnes. Vous pouvez le faire rouler au diesel, vous pouvez le faire rouler au gasoil fait à partir de plantes, vous pouvez le faire rouler au méthane, vous pouvez le faire rouler à l'électricité. S'il y a 6 milliards, 5 milliards, 4 milliards d'adultes qui se déplacent comme ça, ça ne peut pas marcher. Donc c'est là qu'on voit qu'au-delà de la substitution des énergies, il y a quand même à revoir les modèles d'infrastructure. On pourrait parler de la circulation des marchandises, tout ça. Mais l'intérêt des différents leviers qui ont été décrits par Myriam, c'est qu'il pointe bien ce qu'il faut faire. Et bien, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on sait quoi faire. On est devant un mur et une des difficultés extrêmement importantes, ça c'est une très mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, et ça paraît un peu fou, c'est qu'on sait quoi faire. On a les solutions pour faire autrement. Ce qui manque, c'est la décision politique, c'est les blocages, c'est les inerties. Mais on sait comment faire, on a les recettes pour faire différent. Peut-être, David, je réagis à Michel parce que je pense que c'est très constructif la façon dont David présente les choses. Et je voudrais, puisque je me suis beaucoup impliquée dans une réflexion autour de l'efficacité énergétique, j'en ai créé une société il y a 10 ans qui est passée de 8 à 350 personnes, de 0 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et autant vous dire que j'affiche ça non pas parce que j'en suis fière, même si j'en suis fière, ou parce qu'il y a une forme d'arrogance, mais parce que malheureusement, on vit dans un monde où on ne reconnaît les initiatives que quand elles ont marché. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer sur ce sujet aujourd'hui en ayant tiqué la case de la start-up qui a beaucoup grandi que lorsque j'ai voulu la construire et où on me regardait un petit peu étrangement. Bon, ceci étant dit, je me suis aperçue que lorsqu'on parlait d'efficacité énergétique, eh bien, on avait en fait beaucoup de mal à conceptualiser, à construire
une chaîne de la valeur de l'efficacité énergétique. Et c'est très dommage parce que finalement, chaque acteur y va de sa définition et on voit à quel point il est compliqué de mener une réflexion holistique, une réflexion écosystémique. Parce que ben, celui qui fabrique, je ne sais pas moi, Nest et les thermostats intelligents, il va vous parler de l'efficacité énergétique par le bout de la lorgnette des thermostats intelligents. Et moi, je me suis aperçue que je rencontrais des acteurs et chacun me décrivait sa conception de l'efficacité énergétique vue de sa fenêtre. Or, l'efficacité énergétique, et c'est un éclairage à un des points de David qui est juste pour amener un peu de l'eau au débat, de l'eau au moulin. Pour moi, il y a 5 leviers fondamentaux. J'ai écrit beaucoup là-dessus. Le premier, c'est que n'oublions pas, l'Union européenne, pour le meilleur et pour le pire, a créé de la concurrence. Nous avions des monopoles. Et donc, on achetait du gaz chez Gaz de France, on achetait l'électricité chez Électricité de France, et puis dans tous les pays, on avait l'équivalent. Pour la première fois, après la décennie des années 2000, l'Union européenne a permis la concurrence. Donc aujourd'hui, on a le choix de choisir des fournisseurs avec évidemment un corollaire, c'est celui de regarder sa facture, parce qu'on était plus victime, puisqu'on vivait pendant longtemps sous l'idée qu'on devrait être bien content d'avoir de l'énergie, donc c'était vécu comme un coup fatal, alors qu'aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas un coup fatal, et Dieu m'en préserve à l'heure où toutes les énergies montent, le prix des énergies monte, mais il y a des moyens de comparer et de pouvoir changer de fournisseur, et pourquoi pas d'acheter de l'électricité verte plutôt qu'autre chose, donc on produit un niveau de connaissance en tant qu'éco-citoyen consommateur que nous n'avions pas avant. Deuxième pilier, c'est bien sûr les comportements. Il est évident que dans les comportements, il y a plus de 200 choses que nous pouvons choisir de faire et qui font la différence. Alors, bien sûr, hein, à l'échelle individuelle, c'est peut-être pas grand-chose, mais je pense qu'à un moment, ce serait intéressant de mesurer ces petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Non, ce n'est pas la même chose de manger des mangues venues par avion de l'autre bout de la planète. Donc, manger local, on parlait de réduire d'un degré sa température de chauffage parce que c'est 6% de variation de sa facture énergétique. Et puis, on parlait évidemment de se déplacer. Donc, dans ces comportements, je vais mettre un petit peu l'idée de sobriété. Dans le fait de se déplacer, effectivement, on a ce fameux débat, mais qu'on a besoin d'affiner, on a besoin d'intelligence parce que souvent, on a une façon un peu trop réductrice de considérer que ce qui vaut à la ville ne vaut pas en dehors des villes, que la taille des pays influence évidemment nos comportements. Ce n'est pas la même chose d'être aux Pays-Bas, dans un tout petit pays, que d'être en France où on a 550 000 km². Et donc, quand on vit en dehors des grandes cités, eh bien, on a besoin de se déplacer. Et donc, il va falloir décliner, d'où l'intérêt de parler de territoire, les politiques de transport localement. Et en plus, je dirais qu'il faut, je pense, aussi prendre à bras le corps des sujets qui ne sont pas suffisamment pris en compte, parce que pour donner envie aux gens de prendre les transports en commun, ben on ne va pas juste avoir une approche rationnelle, on va aussi devoir parler d'externalités négatives autres. Comment je gère la sécurité, je prends le métro, si on me dit attention au pickpocket en boucle toutes les 5 minutes, comment je gère l'excès de personnes et donc comment je peux mieux réguler le nombre de personnes ou le nombre de trains ou comment je gère la propreté, la désinfection de ces lieux-là. Je crois qu'il faut rendre aux citoyens un peu de d'espace ou d'engagement sur des problèmes qui vont au-delà de la pure question énergétique. Troisième levier, c'est bien sûr la rénovation énergétique. À un moment, je reprends l'idée favorite de Michel qui me dit on a beau passer, c'est l'illustration la plus facile qu'on ait trouvé, des bains à la douche et si on chantait des chansons plutôt courtes, à un moment, il faut faire des travaux. On ne peut pas vivre dans des maisons qui ne sont pas isolées, avec des chaudières casseroles. On ne peut pas ne pas faire des programmes en matière de chauffage où on a beaucoup de mal à passer la phase de la chaudière à condensation, etc.
Bon, il faut rénover, et il faut rénover, il y a 100 millions de maisons à rénover en Europe, et pour rénover des maisons, on ne peut pas juste s'arrêter à Yaka Faucon, on a besoin de talents, et on a une pénurie, on a un job shortage énorme, on a une pénurie d'envie de jeunes qui voudraient épouser ces métiers. Là, je viens de voir aujourd'hui deux jeunes femmes, une peintre et une installateur de chauffage, et je les ai félicitées parce que je crois qu'on doit donner envie aux jeunes de prendre ces nouveaux métiers. Quatrième levier, c'est tout ce qui va commencer par smart, les smart technologies. Donc, comment je vais monitorer mes consommations d'énergie et pouvoir utiliser ces données pour pouvoir réduire mes consommations, ce qui n'est pas le cas partout. En France, Michel connaît bien le sujet, on habite des Linky, c'est pas pour autant que le jour où j'ai un Linky, le consommateur va disposer automatiquement, ce qui est scandaleux, d'une information qui lui permet de savoir comment réduire sa consommation d'énergie et comment réajuster ses comportements. Et le cinquième levier, c'est bien sûr l'autoconsommation, l'autoproduction, que ce soit en individuel ou en collectif. Nous sommes très en retard en France, mais quand on peut, la meilleure façon de faire, c'est de produire son énergie et l'utiliser, et de même, pourquoi pas, utiliser cette énergie électrique pour nos voitures, etc. Donc, je crois qu'on a besoin de beaucoup de pédagogie et de rigueur dans la façon d'expliquer ce que l'on peut faire. Donc voilà, je voulais revenir sur la sobriété, parce que je pense que la sobriété a besoin de mieux se définir et impose de la part de chacun d'entre nous une acculturation et donc une précision dans notre propos. Deuxième chose dont vous avez parlé, ça n'a rien à voir avec la sobriété, je crois que c'est un véritable enjeu, c'est même à l'opposé de la sobriété territoriale, c'est les nouveaux enjeux géopolitiques. La Chine qui émerge d'un coup d'un seul et qui nous donne des leçons d'écologie ou qui essaye à la terre entière, va poser le problème du multilatéralisme dans le monde avec subitement un besoin de protéger nos industries. On a vu le prix à payer sur le fait de dépendre, ben on le voit d'ailleurs, j'ai écrit récemment un article sur les chaînes d'approvisionnement qui prennent du retard, on va avoir des pressions inflationnistes, on va avoir d'énormes sujets à régler, et vous parliez tout à l'heure de la solution européenne du mécanisme de taxation aux frontières. Il est évident qu'à un certain moment, on ne peut pas, mais j'aimerais pouvoir vous dire le contraire, mais et tant mieux si quelqu'un trouve la solution, mais dans l'état actuel de mes connaissances, je ne vois pas comment on va pouvoir résister sans se protéger d'une compétition mondiale à celui qui veut être le meilleur. Tant mieux s'il y a une compétition, tant pis si elle s'exerce à notre détriment. Et ça, je pense que l'Europe a un vrai rôle à jouer. Je pense que ce mécanisme de taxation aux frontières sur la partie CO2, c'est-à-dire nouvelle forme de fiscalité, est extrêmement important, vous l'avez dit, et j'abonde. Tout comme d'ailleurs, va être extrêmement important les règles de distribution des fonds verts. On sort de la COP, on s'aperçoit que la dette climatique que l'on a contractée par rapport aux pays qui n'ont pas émis de CO2 va devoir impliquer de notre part un fléchage d'investissement qu'il va falloir sérieusement suivre, accompagner du mieux qu'on le peut, parce que ce n'est pas parce qu'on a acquis une dette que demain on la paye en se désintéressant de la façon dont elle est mise en œuvre. Je crois qu'il y a des principes de solidarité entre le Nord et le Sud qui vont devoir se mettre en œuvre, et je crois personnellement qu'il y a des nouvelles formules. Je m'intéresse beaucoup à des nouvelles formes des innovations telles que l'afro, par exemple, qui est une crypto-monnaie panafricaine qui va permettre une meilleure traçabilité et probablement une meilleure répartition d'une partie des fonds verts. Et enfin, dernier point, pardon, je les reprends, et il n'y a pas forcément de lien, mais quand même, c'est qu'on parle des 3D, donc décentralisé, décarboné, digital, et vous avez raison, il y a un très très bon livre que tout le monde devrait lire quand on s'intéresse à ces sujets, de mon ami Guillaume Pitron, qui vient d'écrire « L'enfer numérique », et qui explique combien la question des data et des matières premières, il y avait son précédent bouquin était sur les matières rares dont vous parlez, sont importantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tout pouvoir gérer d'un coup. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est le CO2 et les gaz à effet de serre en général, puisqu'on fait des simplifications en parlant de CO2 et on sait très bien qu'on parle en général des gaz à effet de serre, même si on les ramène au CO2 équivalent.
Mais on sait que plus tard, on aura à régler l'artichaut feuille par feuille, la question des matières rares. Et je pense qu'on a besoin de se doter, dans la révolution numérique, de vrais principes de stockage, avec des propositions qui commencent à émerger aujourd'hui. Le nettoyage des données, parce que peut-être même des créditer après nettoyage ce qu'ils ont fait de crédit carbone, je ne sais pas, ou d'un crédit propreté numérique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je pense qu'on a des outils, vous l'avez dit, et qu'on a besoin maintenant d'être méthodique dans tout ce qui fabrique ces différentes dimensions de ce nouveau paradigme éco-énergétique. Myriam, pour ton propos, je vous propose que dans la demi-heure, les 20 minutes de la demi-heure qui viennent, on puisse enchaîner des questions et des réponses dans un format un peu ping-pong pour essayer de satisfaire un petit peu les différentes questions. La première question, c'est une question de Patrick Boult que je reprends au vol parce qu'elle renvoie à ce que David évoquait sur le rôle des infrastructures. Patrick Boult nous demande, ne faut-il pas développer les outils permettant aux individus de mesurer leur consommation énergétique, ne serait-ce que pour accélérer la prise de conscience commune. Alors, j'ai envie de rebondir là-dessus. Myriam Maestroni évoquait le comptage intelligent. On va avoir plusieurs centaines de millions de compteurs intelligents installés en Europe à la fin de l'année 2021. Et tout se passe comme si on n'en parlait pas. Je veux dire, finalement, il n'y a pas de discours européen, certes, là-dessus, si ce n'est pour dire que c'est une directive, il y a des obligations, et voilà. Mais comment cette dimension-là du comptage intelligent n'est pas évoquée? D'autant plus que derrière, il y a quand même un sujet qui, lui, a été traité au niveau européen, qui s'appelle le RGPD, avec la protection des données. Et il y a peut-être un sujet qui consiste à faire que ces données soient adressées dans l'intérêt général du consommateur européen et non pas captées et marchandisées par ailleurs. Et donc, c'est très bizarre. Enfin, moi, je voulais que tous les deux vous réagissiez là-dessus, mais de voir que ce sujet, peut-être qu'il est embarqué au niveau du Parlement européen, mais on le voit pas présent. Et on préfère donc les oppositions virulentes sur quel mix de production, toujours dans la logique productiviste, plutôt que de regarder l'autre bout de la chaîne. Donc voilà, en réponse à Patrick Boult et à la prolongation de sa question, je ne sais pas si David ou Myriam voulaient intervenir là-dessus. David, peut-être, pour donner le point de vue du Parlement, ou Myriam. Peut-être juste une réaction. Je pense qu'on est dans un exemple typique de solutions top-down, sans prendre en compte le bottom-up. Et là, l'espace où on va pouvoir créer des solutions, il est bien entre ce pouvoir que doivent acquérir les citoyens, les éco-citoyens consommateurs, et le pouvoir politique. On a une question d'articulation. On a, avec le compteur intelligent, un exemple flagrant. Le compteur intelligent permet aux énergéticiens de mesurer et de facturer, par exemple, sans avoir envoyé, je prends un exemple trivial, pardon pour ça, mais c'est quand même un peu ça, sans avoir envoyé un releveur de compteur ou en temps réel, je sais les consommations, je facture. Donc, il y a une utilité de la part de l'énergéticien vers le client, mais on devrait avoir la contrepartie pour le consommateur où il peut imprimer ou avoir sur son portable tous les jours ses consommations et dire, mais tiens, t'as mis ton chauffage trop fort ou tu consommes plus que l'année dernière comme nos pas ou ta bouilloire là, il y a des pointes, et puis peut-être le comparer aux gens du quartier. Mais cette partie n'existe pas. Cette partie, elle a été donnée à des... Il y a des décryptages de ces informations qui ont été données à des sociétés qui vont systématiser les analyses, mais il n'y a pas une lecture directe pour le client qui s'est quand même vu imposer l'installation de son compteur facile. Et je pense que si on fait des choses et qu'elles n'ont pas la double légitimité du régulateur ou du fournisseur, et la reconnaissance par le client qui devient hyper clé, hein, c'est un peu la poule et l'œuf d'Uber. Est-ce que Uber existe parce qu'il y a des clients qui ont envie de prendre des taxis, enfin des voitures pour les transporter, ou parce qu'il y a une application? C'est un peu la poule et l'œuf. En tout cas, quand la technologie ne rencontre pas le client, eh bien, on reste dans des actes qui ne,
ne prospère pas. Et je crois que ça va nous obliger à des réflexions et à des niveaux, à nouveau, hein, d'acculturation, de sensibilisation, de pédagogie, d'éducation, avec des efforts qu'on n'imagine même pas, mais qui sont clés, à mon avis. Non, je me permets d'intervenir. Tu as raison sur le côté prise en compte des attentes clients qui peuvent le faire quand même à travers le fait que l'ensemble des fournisseurs ont développé depuis 2-3 ans des portails dédiés dans lesquels n'importe quel consommateur peut avoir ses données avec des données qu'il n'avait pas auparavant. C'est-à-dire les données Linky remontent chez le client s'il se documente, s'il rentre là-dedans. Mais c'est vrai que ça ne traite pas l'ensemble des clients. Deuxième remarque juste, c'est que 5 milliards d'euros de mobilisation sur un projet comme ça, dans une démarche bottom-up, quid de l'enjeu industriel. Je veux dire, si l'Europe veut être présente à travers des grands programmes face aux Chinois, aux Américains, elle doit aussi être capable d'avoir peut-être une dimension en termes d'intervention. Donc, c'est-à-dire qu'il faut marier les deux. Il faut marier ce que tu évoques fort justement, c'est-à-dire prendre en compte les attentes, la réalité des besoins, la réalité des informations sensibles pour aller vers la sobriété, et en même temps se dire, on en parlera avec Christophe Bounot dans quelques minutes, que les grandes avancées dans l'Europe de l'énergie, elles sont venues essentiellement depuis 70 ans par les ingénieurs, par la technologie, par à un moment donné des projets qui étaient saint-simoniens dans la façon dont ils étaient construits. David l'évoquait au début, c'est plus du tout dans l'air du temps. Mais comment on fait l'ajustement entre la démarche citoyenne, des communautés énergétiques locales citoyennes, et la dimension critique industrielle, si on n'a pas envie d'acheter sur étagère des produits chinois ou américains demain pour gérer ça. Donc, comment on accoste entre les deux univers ? La réponse, elle est pas simple. Hein. Elle suppose sans doute un débat politique, sans doute une appropriation sociétale et politique. J'avais une deuxième question à poser qui était à David. C'est une question qui nous vient de Jean-Louis Morgenthaler qui pose la question : la mesure des émissions des gaz à effet de serre est-elle suffisamment précise et sûre aujourd'hui? Ça m'amène au sujet sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, que d'aucuns craignent comme une sorte d'usine à gaz extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Est-ce que, au vu des informations que vous avez au niveau du Parlement, c'est quelque chose qui est réaliste, qui va être mis en œuvre rapidement, qui peut débouler dans les 6 mois, l'année, les 2 ans ou 3 ans qui viennent? Ou est-ce que dans cette sorte d'écluse écologique, et fort justifiée au demeurant, mais on ne rentre pas dans des mécanismes de politique commerciale compliqués à adresser. Donc voilà, l'idée, on le voit vertueuse, puisqu'elle elle participe d'un premier pas vers un prix du carbone au niveau mondial, et en même temps, techniquement, est-ce que vu des travaux préparatoires dont vous avez peut-être connaissance, c'est réaliste, et si oui, à quel horizon ? Bon, plusieurs choses. Un mot quand même, hein, sur les indicateurs pour les consommateurs. Je suis à la commission budget, je suis aussi à la commission marché intérieur, protection des consommateurs. Ce que j'ai coutume de dire, c'est que c'est normal d'informer les consommateurs, il faut le faire, mais il ne faut pas que tout repose sur le consommateur. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des encouragements, des infrastructures dont je parlais tout à l'heure, qui vous poussent à consommer, vous pouvez être aussi bien informé que vous voulez, vous ne pouvez rien faire. Exemple, on vous a encouragé à déménager à 40 km de votre lieu de travail. On vous a dit, mais ne vous inquiétez pas, votre autonomie sera garantie par votre automobile. Et après, le diesel, l'essence augmente, ce qui est logique. Hein, moi, je ne suis pas contre ça, mais les personnes, ils savent bien combien ils consomment. Ils ont la jauge dans leur voiture. Ils sont parfaitement au courant de ce que ça leur coûte par mois. Et ce n'est pas ça qu'ils consomment moins. Ils sont obligés. Pareil pour l'électricité, si on vous pousse à consommer plus, etc., même si vous êtes informé, ça ne résout pas le problème. Je ne développe pas sur l'histoire des data, mais vous avez raison. Moi, ma conviction, c'est que l'affaire des Linky, c'était avant tout pour EDF collecter de la donnée, parce qu'ils avaient analysé que ces data, ces données, c'est un peu l'or ou l'or noir du 21e siècle, et que donc, il y avait un enjeu à collecter la donnée des gens. Ce n'est pas le truc complotiste, hein, je vous dis, c'est logique, parce qu'on ne va pas se mentir, je ne dis pas qu'ils étaient formidables, mais les anciens compteurs EDF, vous savez, vous avez les petites clés qui tournaient plus ou moins vite en fonction de combien vous consommiez. Je ne dis pas que c'était très précis, mais les gens, ils voyaient bien quand ils consommaient. Bref, sur la question que vous posez, la question de Jean-Louis,
sur est-ce qu'on sait bien mesurer les gaz à effet de serre. Oui, parce qu'il y a les travaux du GIEC quand même depuis maintenant de nombreuses années, où ce sont des milliers de scientifiques qui travaillent sur ces questions et donc on commence à avoir une connaissance très précise des émetteurs, de ce qui émet des gaz à effet de serre, de quel impact ça, etc. etc. Donc on n'est plus, on n'est pas dans des inconnus par rapport à ça. Après, il peut y avoir encore des émissions un peu cachées, parce que les données qu'on a, elles sont sur les choses qui sont déclarées, qui sont légales. Donc il peut y avoir après des choses qui échappent hein, à notre connaissance, mais grosso modo, on a quand même une bonne connaissance de c'est quoi qui émet des gaz à effet de serre, et donc par conséquent, c'est quoi qu'il faut faire évoluer, voire parfois supprimer, pour en émettre moins. Ça, c'est quand même assez scientifiquement, techniquement documenté maintenant depuis, il n'y a pas de secret, hein, quand vous mettez des milliers de chercheurs dans le monde entier à travailler là-dessus, vous avez les données. Sur les mécanismes de fiscalisation du carbone, alors vous avez deux trucs, hein, vous avez le CBAM et l'ETS, en les langages européens, c'est la taxe carbone à l'intérieur de nos frontières et la taxe carbone aux frontières. Il faut évidemment que les deux s'articulent. Pourquoi ? C'est que si vous faites que de la fiscalité carbone au sein de l'Union et qu'il n'y a pas de fiscalité pour les gens qui apportent, enfin qui exportent en Europe leur production, il y a une distorsion d'égalité. Bon, ce n'est pas très utile. C'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle des émissions de carbone importées. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on émet à l'intérieur des frontières européennes, mais il y a ce qu'on provoque à l'extérieur de nos frontières d'émissions. Par exemple, quand on achète des produits qui sont fabriqués en Chine ou que sais-je, ça crée du gaz à effet de serre qui n'est pas émis en Europe, mais qui est bien émis à cause des consommatrices et des consommateurs européens. Donc, il faut aussi les compter, parce que sinon, les Chinois, ils n'auraient personne à qui les vendre. Donc, sur la taxe carbone aux frontières, oui, c'est une usine à gaz, sans mauvais jeu de mots. D'abord parce que ça nécessite que les pays qui exportent en Europe donnent une forme de transparence sur leur process de production, ce qui est pas évidemment ce qui ne va pas de soi, ce qui va encore moins de soi pour des pays comme la Chine. Je ne veux pas faire un blocage sur la Chine, parce qu'il n'y a pas que ça, mais on pourrait citer sur les textiles, enfin, des pays qui par ailleurs font de la déforestation, etc. etc. Bon, bref, il n'y a pas que la Chine, mais bon, donc ça, c'est pas simple. Et au fond, c'est quelque chose qui ne rapporte pas grand-chose. En termes de volume, j'ai plus en tête les chiffres extrêmement précis, mais je crois que c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Alors évidemment, quand on dit des sommes comme ça, ça paraît beaucoup, mais c'est pas la taxe sur les transactions financières, par exemple, à un taux satisfaisant, c'est entre 50 et 60 milliards d'euros par an. Vous voyez, en termes d'ordre de grandeur, la taxe carbone aux frontières, mais ça crée un précédent et ça crée voilà, un outil qui nous permet de le faire. Après, il y a plusieurs problèmes. Un, c'est que l'objectif, quand même, ce n'est pas de taxer le carbone, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'émissions de carbone. Vous voyez l'idée ? Donc, c'est quand même une fiscalité. Vous savez, il y a deux formes de fiscalité. Il y a la fiscalité pour réduire les inégalités et il y a la fiscalité incitative. Là, on est dans la fiscalité incitative, c'est qu'on fiscalise quelque chose qu'on veut voir disparaître. Mais du coup, ça ne peut pas être une recette pérenne, par définition. Parce que si c'est une recette pérenne, ça veut dire qu'on n'a pas réussi notre coup. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a encore des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas terrible. Mais c'est un bon outil de transition parce que, un, il y a deux effets qui se coulent. Un, ça va obliger les pays qui veulent vendre en Europe à changer leur process pour moins émettre de gaz à effet de serre. Et deux, ça va permettre de rapatrier de l'activité à l'intérieur de l'Union européenne parce qu'il y aura moins de distorsions de concurrence avec ces pays-là. En ayant à l'esprit quand même, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'atterrir, c'est que je pense quand même que l'objectif, c'est qu'on ait un modèle économique qui s'appuie davantage sur la vente de l'usage que la vente de l'outil ou de l'objet en lui-même. Exemple, une machine à laver, l'idée c'est que vous ayez des machines à laver qui soient suffisamment robustes pour qu'elle puisse ensuite être avec des pièces de rechange, pour qu'elle puisse durer longtemps, quand elle tombe en panne, que vous puissiez la réparer avec des réparateurs qui
par définition, sont près de là où vous habitez, donc c'est des emplois qui sont non délocalisables, qui évitent de créer des déchets, parce que pour une pièce de votre machine à laver, vous changez que la pièce, vous ne changez pas toute la machine à laver. Ça, c'est un autre sujet sur lequel je travaille en commission du marché intérieur, c'est d'avoir justement un indicateur de réparabilité obligatoire sur les objets comme ça, pour que les consommateurs sachent quel outil, quel objet est le plus facilement réparable, etc. Etc. Donc oui, la taxe carbone aux frontières, c'est un outil, mais c'est un outil qui n'a de sens que s'il s'inscrit dans une logique globale. Ce n'est pas la recette miracle. Moi, là-dessus, j'aime bien, pour être un peu provocateur, de parler de protectionnisme vert, par opposition au protectionnisme classique qui consiste uniquement à protéger nos intérêts nationaux ou européens. Là, c'est un protectionnisme qui vise à protéger la planète. C'est pour ça que vert. Et donc, en fait, ça n'a pas seulement une vertu pour protéger notre économie, ça a une vertu aussi de transformation sur ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Et je voudrais conclure là-dessus. Quand on parle des politiques européennes, en matière de politique sur le changement climatique, c'est très important de l'avoir à l'esprit, parce que souvent, on nous dit « Oui, mais nous, on doit faire des efforts alors que ce n'est pas nous les plus gros émetteurs. » D'abord, c'est discutable sur le fond, mais surtout, il faut toujours avoir à l'esprit que l'Union européenne est un territoire prescripteur. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que le monde regarde ce que nous faisons en Union européenne. Pour des raisons sonnantes et trébuchantes, c'est comme nous sommes la première économie, le premier marché du monde, toute entreprise qui veut prospérer est obligée de passer par le marché européen, parce que nous sommes cette puissance de marché-là. Donc quand on crée des règles pour notre marché européen, c'est de fait des règles qui s'imposent ensuite ailleurs. Et pour des, donc ça, c'est des raisons très concrètes, très mercantiles, j'ai envie de dire, et pour des raisons aussi d'imaginaire. C'est que pour le meilleur et pour le pire, l'Union européenne, l'Europe, dans son histoire, a prescrit au monde un certain nombre de pratiques. Bah, la révolution industrielle en fait partie. Elle est née en Europe. Et donc, de la même façon que la révolution industrielle, avec ses externalités négatives, est née en Europe, un autre modèle, on l'a dit, plus sobre, plus circulaire, qui s'appuie davantage sur l'emploi que sur la débauche de gaspillage d'énergie et de matières premières, etc., etc. Si on arrive à mettre en place ce modèle-là, y compris dans une logique de concurrence internationale, je pense que c'est davantage un atout qu'un inconvénient. Et donc, l'outil taxe carbone aux frontières, vous l'avez compris, c'est seulement un paramètre de cette vision holistique, comme dirait Myriam. J'ai juste une dernière question, mais pour tous les deux, avec une réponse de tous les deux, avant de passer la parole à Christophe. On a peu abordé les questions, on n'a pas employé d'ailleurs, je crois, le mot précarité, pauvreté énergétique. C'est un filigrane de vos propos à tous les deux, puisque quand on parle de sobriété, on voit bien que voilà. Aujourd'hui, le prix de l'énergie, c'est le sujet majeur dans toutes les économies européennes, au sorti de la crise Covid. Donc, comment on fait accoster fin du monde, fin du mois, comme dirait l'autre? On est dans une logique de redistribution ou de patch avec des chèques énergie partout dans tous les pays, ou est-ce qu'on sait, le 17 juillet, je crois, la Commission a mis sur la table l'idée du Fonds social pour le climat. Est-ce que David nous racontait un peu où on est, comment on traite cette question, pas uniquement par du curatif, mais Myriam évoquait les 5 millions d'appartements ou de logements à rénover. Pourquoi le plan de relance de l'été 2020 n'a pas embarqué un programme européen massif et pas uniquement des enveloppes à chaque État avec quelques lignes indicatives? Voilà, donc c'est un sujet important et on ne pourra pas avancer, y compris sur une réforme du marché ETS, si dans le même temps on ne règle pas cette question de manière rapide. Donc, je crois que le problème des bâtiments, du transport est un sujet en débat aujourd'hui. Mais donc, quel est votre point de vue à tous les deux là-dessus, sur ce chantier? Comment on raccroche les wagons, sans jeu de mots? Myriam, tu commences ou… Après, d'accord. Voilà, je n'avais pas de micro, donc voilà. Ah, c'est revenu. Allez-y, c'est revenu. David. On t'entend bien. Ok. Écoutez, non, mais vous avez raison, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure en parlant de protéger. Hein. C'est-à-dire que dans la transition, et le fonds de transition juste, il sert à ça. Il sert à accompagner dans la transition les gens. Exemple, j'ai dit tout à l'heure, il faut fiscaliser au juste prix le carbone, donc y compris l'essence qu'on met dans nos voitures. Sauf que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des gens qui sont captifs
de l'utilisation de leur véhicule. Si vous habitez en ville et que vous travaillez en ville, moi, par exemple, je n'ai pas de voiture. Je n'en ai pas besoin, donc ce n'est pas un problème pour moi, l'augmentation du prix de l'essence. Par contre, j'ai conscience que pour beaucoup de gens, c'est existentiel, c'est vital. Et donc, pour cela, il y a deux choses qu'il faut faire en même temps. C'est un, repenser nos infrastructures, dont l'aménagement du territoire, et donc le rapport au territoire, il est effectivement extrêmement important, où les gens pourront se passer à terme d'une voiture. Donc ça, c'est le travail de fond. Mais en attendant, il faut bien les accompagner. Donc pour moi, ce qu'on appelle le chèque énergie, ça ne se justifie, il est juste, à condition qu'il ne serve que dans une phase de transition et qu'à terme, on n'ait plus besoin de voiture. Après, si vous voulez continuer à en avoir une, c'est votre problème. Mais il faut que la collectivité, elle ait mis en place une organisation du territoire qui fait que vous pouvez vous en passer. Et moi, là-dessus, j'aime bien parler de pouvoir de vivre, d'une manière générale, et de 13e mois écolo ou de 14e mois écolo. C'est, en fait, il faut regarder c'est quoi les dépenses imposées d'un foyer. Les dépenses imposées d'un foyer, de plus en plus, c'est le logement. Par exemple, la part du coût de l'alimentaire baisse. Il reste très élevé hein, pour les familles les plus pauvres, mais en pourcentage, ça baisse. Par contre, le logement prend de plus en plus de place dans le budget imposé et l'énergie. Et donc, une politique publique juste, c'est de faire en sorte que les gens soient bien payés, c'est les salaires justes, etc., etc. C'est l'accompagnement social, c'est très utile. Et c'est aussi de faire baisser la pression sur les dépenses imposées. Donc ça, ça va être, et là, tout le monde est d'accord pour le faire, mais on ne le fait pas, c'est l'isolation des logements, et commencer par le logement des plus pauvres, des plus fragiles, donc le logement social, mais aussi de l'habitat non social insalubre qu'il faut résorber, etc., etc., et arriver vers des logements qui soient neutres en consommation énergétique et donc plus de dépenses énergétiques pour se chauffer. La même chose, j'ai parlé pour les déplacements. Si vous arrivez à faire en sorte qu'un foyer qui aujourd'hui est obligé d'avoir deux voitures passe à une voiture en moyenne, c'est, si vous comptez tout, c'est entre 400 et 500 euros par mois. Je ne parle pas si vous avez une très grosse voiture, où là, ça coûte plus cher. Mais pour les gens, 400 euros par mois multiplié par 12, vous voyez ce que ça représente. C'est énorme pour beaucoup de gens. C'est plus qu'un 13e ou un 14e mois. Si vous faites en sorte d'avoir des normes qui font que vos objets de consommation, votre électroménager est réparable, vous n'êtes pas obligé d'en racheter, là aussi, vous faites des économies. Si vous faites en sorte d'avoir des politiques qui limitent les déchets, vous aurez moins de taxes de traitement et d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, c'est avoir une logique un peu globale pour faire baisser la pression sur les dépenses imposées. Et dernière dépense imposée, les impôts. Donc moi, je suis pour les impôts, dans l'absolu, parce que c'est ce qui permet de faire de l'investissement, c'est ce qui permet de faire de la répartition. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ça va, plus les impôts reposent sur ce que j'appelle les contribuables captifs. Et ce n'est généralement pas les plus riches. Donc, si on veut faire baisser la base de la fiscalité pour ceux qui aujourd'hui sont des contribuables captifs, et par exemple un impôt que tout le monde paye mais qui pèse plus sur les pauvres que sur les riches, c'est la TVA, il faut que vous ayez par ailleurs une fiscalité juste sur ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt. Donc la question fiscale, c'est aussi une question de justice sociale, c'est une question de justice environnementale, parce que souvent aussi, ceux qui ne payent pas d'impôts sont ceux aussi qui ne sont pas les plus inactifs dans la destruction de la planète. Beaucoup de paradis fiscaux financent par ailleurs de la déforestation, des flottes de pêche intensives, etc., etc. Donc, c'est un peu les mêmes. Donc, tout ça, vous voyez, rentre dans une logique globale. Mais vous avez raison, réconcilier la question de la fin du monde et de la fin du mois, ça implique ces articulations-là, étant entendu qu'aujourd'hui, ce sont les plus pauvres qui subissent le plus les effets du changement climatique et ce sont les plus riches qui sont avant tout les responsables du changement climatique. Un chiffre qu'il faut toujours avoir en tête, les 10% les plus riches de la planète sont responsables de 50% de l'émission à gaz à effet de serre. Les 50% les plus pauvres de la planète ne sont responsables que de 10% des rejets de gaz à effet de serre sur la planète. Donc, vous voyez qu'il y a une distorsion. Donc, en fait, quand vous rétablissez la justice climatique écologique, de fait, vous rétablissez la justice sociale
par rapport voilà, aux éléments que je viens d'apporter. Il y aura peut-être d'ailleurs, je le rebondis, et Myriam, je te passe la parole dans quelques minutes, mais il y aura peut-être par rapport à ça un débat aussi ces prochains mois dans notre pays au niveau européen, en tout cas pour nous Français, peut-être pour sortir un peu du mythe du prix unique pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y avait eu il y a 10 ans une réflexion législative en France sur un prix différencié de l'électricité selon le pouvoir d'achat. Là, vous avez, là, par exemple, pardon, mais là-dessus, il y a des propositions politiques. C'est, oui. C'est de faire le premier, enfin, les premiers kilowattheures gratuits. Oui. C'est compliqué, le prix différentiel, parce que les mecs vont se brancher à côté. Bref, mais si vous partez du principe que c'est un bien de nécessité, de première nécessité, c'est un, faire les premiers kilowattheures gratuits, et deux, et là, je crois que ça a été fait d'ailleurs, c'est positif, c'est d'interdire les coupures d'électricité. Ça a été fait la semaine dernière, oui. Ça a été fait la semaine dernière, avec effectivement une fourniture en base qui permet le maintien des besoins vitaux. Myriam, sur la question de la précarité, c'est une question aussi… La précarité, c'est une, à nouveau hein, une illustration de plus du fait qu'on ne pourra plus faire sans, j'y ai fait référence plusieurs fois ce soir dans le débat, sans l'éco… citoyens, consommateurs. Je pense qu'on a beaucoup trop, parce que c'est un travers historique, penser l'énergie dans une logique d'approvisionnement, donc depuis Rockefeller, ben voilà, hein, où est-ce qu'on va chercher le pétrole, comment elle achemine, toute la question de la supply chain, et jusqu'à 2000, donc c'est quand même assez récent. Le credo en matière d'énergie, c'était la sécurité, la diversité des approvisionnements. Et donc, en gros, on avait cet usager qui, finalement, n'avait qu'à payer ses factures et être content de ce qu'on lui imposait. Et là, on découvre que cet usager, ben, il est devenu d'un coup d'un seul un éco-citoyen, consommateur, qui a des avis et parfois qui les manifeste de façon véhémente, avec une sensibilité au prix de l'énergie que l'on connaît. En France, je vous rappelle quand même que plus de 60% des parts de marché en matière de carburant est détenue par la grande distribution. Pourquoi ? Parce que c'est le seul prix visible de l'extérieur dans un parking. Que en moyenne, pour un Français, peut-être mes calculs ne sont pas actualisés, mais ça représentait une économie de 100 euros par an. Donc, on a créé une hypersensibilité au prix du carburant et de l'énergie. Et quelque part, pendant longtemps, on n'avait pas la main là-dessus. Voilà, on subissait, je vous dis, on devait dire merci d'être approvisionné. Quand il y a la crise des gilets jaunes, on découvre que ce n'est pas comme ça et que finalement, ce coût-là, personne ne va protester parce que le prix de l'abonnement du portal est passé de 29,90 à 39,90. On a des coûts quelque part comme ça qui sont, on appelle ça des effets à cliquer, c'est-à-dire des besoins, il est difficile de repartir en arrière. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ben, ça nous dit, c'est exactement mon propos, que je pense qu'on commet une erreur grave si on continue à considérer, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, moi ça me choque quelque part, que la solution énergétique fait partie d'une élite pensante dans un meilleur des mondes de l'énergie. Parce qu'effectivement, hein, si on parle du nucléaire, on parle de ça. Hein, il y a que quelques spécialistes avec double PhD en sciences de l'atome qui vont pouvoir avoir un avis, hein. C'est pas moi, d'ailleurs on me l'a souvent dit quand je posais des questions, ma pauvre fille, et pourtant je sais si j'ai passé du temps dans le monde d'énergie, mais comment peux-tu oser poser des questions sur un sujet auquel tu ne comprends rien? Mais on découvre la limite du raisonnement. À un moment donné, on doit faire avec chaque éco-citoyen consommateur. Pour pouvoir faire avec eux, ben, il faut leur expliquer les choses simplement. Moi, j'ai créé, ce n'est pas un hasard, le premier site en France sur l'énergie efficace énergétique. Et je l'ai fait en essayant d'expliquer simplement des choses qu'on peut rendre très complexes quand on est expert. Ben, je pense que c'est une nécessité de pouvoir impliquer les gens. D'ailleurs, dans les pays les plus démocratiques où il y a en permanence des référendums, par exemple nos amis suisses, eh bien, on a des référendums sur tout et n'importe quoi, je dirais, mais enfin, en tout cas, souvent, et il y a des notices pour expliquer simplement de quoi on parle. Donc, quelque part, je pense qu'il va falloir passer à cette échelle pour mieux expliquer aux gens. Et du coup,
corollaire de cette réflexion, je crois qu'il va falloir aborder un sujet qui fait mal, hein, qui est vraiment un pain point, mais vraiment dur, qui est la question de la fiscalité. Je vous rappelle quand même que quand on a des gouvernements qui disent « Ah ben ouais, le prix des matières premières, hein, mais attendez, un litre d'essence, c'est moins cher qu'un litre d'eau. » Et 40% sont des taxes parce que historiquement, une partie importante de la fiscalité des États provient des anciennes TIPP, comme on les appelait, qui sont devenues entre-temps les TICPE, qui pourvoient de taxes. Et je vous rappelle quand même, moi quand j'étais jeune, que j'étais directeur général à 24 ans dans le pétrole, je n'arrivais pas à comprendre ça et ça m'est resté, on me disait, et les taxes sont soumises à la TVA. Donc vous vous rendez compte, quand le prix du carburant augmente, on a des taxes qui s'appliquent et des taxes qui sont les mêmes appliquées à la TVA. Ben, écoutez, qu'on le veuille ou non, moi je suis désolée, à un moment donné, on va devoir remettre à plat. À l'époque, il y a bien longtemps, on avait des taxes sur le sel. À un moment donné, on a mis des taxes sur les fameuses salines qu'on avait en France. On a eu des taxes sur le carburant. À un moment donné, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, il va falloir faire évoluer les sources de revenus des États. Parce que ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire aux gens, vous payez cher, on vous pique de l'argent dessus, on vous le restitue, voilà, comme on peut avec des chèques. Parce que je pense que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas honnête vis-à-vis de la démarche que l'on doit avoir par rapport à ces éco-consommateurs, ces éco-citoyens consommateurs qu'on doit prendre au sérieux. Voilà. Donc, je suis très provocatrice, mais je pense que clairement, le chantier de la remise à plat des taxes, indépendamment de ce qui a été dit. Et je suis bien sûr d'accord avec les questions des GAFAM, mais je pense qu'on va devoir repenser les assiettes et le mode d'application de taxes parce que ça va être une nécessité. Voilà. Et peut-être aussi en faire un des sujets de réflexion communautaire et d'harmonisation, si on peut rêver. Il est 19h40. Sur la précarité, à un moment, la relance de l'investissement privé pour améliorer nos logements va être une nécessité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des déclinaisons dans tous les pays et que finalement, il n'y a pas une politique commune de l'efficacité énergétique alors que c'est extrêmement important et que le niveau d'aide et d'explication et de transparence sur le sujet doit remonter d'un cran. Il est 19h41 et nous devions à 19h30 passer la parole à Christophe. Alors je ne vois pas l'image. Est-ce que Christophe, tu as mis ta caméra ? Oui, j'ai bien mis ta caméra. C'est ta caméra. Et donc, peut-être qu'avant de nous parler des publications, le regard de l'observateur. Absolument, je pioche. Voilà, sur ce débat. J'utilise ton commentaire. Les 10 minutes 1. J'ai été véritablement donc passionné par les deux intervenants. Je partage 95% aussi bien donc le point de vue, la présentation des 5 piliers donc avec la fondation E5T et puis la conclusion de David Cormand sur le fait que l'Europe, l'UE, est effectivement prescriptrice, la question donc de l'imaginaire. Alors, quelques petits bémols quand même historiques, sans faire ici le petit donneur de leçons, absolument pas. Au contraire, sur toute l'actualité du deal, le New Deal, d'après moi, ce n'est pas le New Deal de Roosevelt. Parce que le New Deal de Roosevelt, quelques remarques, le New Deal de Roosevelt, qui n'était que pré-keynésien, parce que Keynes a publié sa théorie en 1936, et Keynes, au fond, Roosevelt était un grand pragmatique. Il voulait faire les choses en même temps. Donc, c'est un ensemble de mesures pragmatiques avec beaucoup de tensions dans son brain trust. Mais en revanche, un élément qui est oublié, parce qu'il y en a quand même assez d'opposer, vous avez parfaitement raison, le nucléaire et les ENR, et on oublie dans la trajectoire de l'Europe, on oublie dans la trajectoire de la France, dans l'actualité, on oublie la première des ENR. On oublie toute la trajectoire de la houille blanche, oui. De l'électricité. Je rappelle que jusqu'aux années 50, la France
fille aînée de l'interconnexion, les cartes européennes des années 50 qui montrent l'Europe charbonnière et l'Europe de l'hydroélectricité. Aujourd'hui, dans le mix électrique, dans les énergies renouvelables, l'hydroélectricité joue aussi un rôle non négligeable. Et on a vu d'emblée que les ENR, ce n'est pas non plus le miracle, puisque l'hydroélectricité a aussi des externalités, donc des externalités négatives. Mais je retrouve effectivement parfaitement ces éléments parce que le Green New Deal, qui n'a en réalité dans sa conception pas beaucoup d'éléments nouveaux, c'est celui de Barack Obama. C'est celui de Barack Obama dont je retrouve ici les articles. Il se fait élire en 2008 sur la victoire du Green New Deal. Il s'agit effectivement, tous les piliers sont effectivement présentés. C'est présenté parfaitement dans Jeremy Rifkin. Ce n'est pas du tout une critique, au contraire, on en a besoin. C'est parfaitement présenté dans Jeremy Rifkin 2011. Et effectivement, ce qui est présenté, donc l'Europe, ce Green New Deal correspond effectivement à tous ces piliers qui existent et qui sont présentés depuis une quinzaine d'années. Alors, heureusement, grâce à l'énergie, vous l'avez effectivement parfaitement présenté. Un élément d'actualité, deal, donne, redistribution, je suis parfaitement d'accord, il y a la question de la péréquation, il y a la question de la convergence. C'est une question éminemment à la fois tarifaire et une question éminemment fiscale. Parce qu'au fond, l'Europe de l'énergie, elle ne peut être faite que sur le rêve européen d'imaginaire, qui a pour l'instant pas mal échoué, d'une immense classe moyenne, de la moyennisation. Car au fond, quand on compare les statistiques européennes avant l'Europe et après l'Europe, en termes de statistiques, les convergences des modes de vie ont été absolument considérables. Et dans le domaine de l'électricité, ce qui est une forme et non pas une source d'énergie. Donc, on a besoin de tout ce mix des énergies renouvelables. Et n'oublions pas quand même l'hydroélectricité, où il existe encore quelques petites poches, même si indiscutablement, c'est le solaire qui représente l'avenir. Je passe dans les 5 minutes à la présentation de la publication. La publication à l'initiative donc, de la Maison de l'Europe, de la Fondation Jean Bonnet, de Michel Derdevé, d'Ursula Séraphin, de l'ensemble. Donc, c'est une publication qui présente plusieurs éléments, qui reprend les éléments de débat des 3 conférences, dont certainement cette conférence, qui représente, qui utilise des articles originaux. Je vais donner effectivement donc, les titres avec des articles complémentaires et en même temps le travail des étudiants de master de l'Université de Paris qui ont retranscrit donc, les débats, notamment de la première séance. Ursula Séraphin, merci beaucoup Ursula, est à la manœuvre, à la coordination. Michel, donc, est à la coordination. C'est une publication centrée sur le 70e anniversaire de la CECA et qui doit effectivement correspondre avec la présidence française. C'est assez intéressant, bien entendu, pour cet enjeu. Mais outre les introductions, donc je prends ici la présentation, on n'a pas le temps de présenter la table des matières, outre une introduction préface normalement de Klaus Welle, secrétaire général du Parlement européen, un immense article de notre bien-aimé président, modérateur, coordinateur Michel Derdevé. Et puis, donc, différents articles qui sont à la fois académiques et auxquels je contribue donc à la coordination. J'ai fait un article qui s'appelle « À la recherche d'une société civile organisée européenne, le palimpseste énergéticien de la méthode Jean Bonnet ». 3 remarques. Le palimpseste, c'est l'histoire du parchemin qu'on réécrit. Or, le New Deal, on réécrit. Il s'agit que nil novi sub sole, ça devienne la réalité, que ce ne soit pas uniquement prophétique. Et c'est la question qui a été soulevée par les 2 intervenants. Absolument, il faut qu'il y ait une appropriation citoyenne. Donc, au fond, il vaut mieux une société civile organisée plutôt qu'une société civile tout court. Il vaut mieux toutes les associations, les lobbies, toutes les institutions, toutes les intermédiations que, effectivement, tous les gilets jaunes, etc. Nous avons ensuite, a priori, 3 articles universitaires qui ont été donc donnés de 2 doctorants. L'un sera certainement post-doctorant, Michel Derdevé participera au jury. Un article de Jordan Provost sur les petits pas de la transition énergétique citoyenne au son de l'Union européenne, le rôle des think tanks dédiés à l'Europe au cœur de la société civile organisée de l'Union de l'énergie, qui reprend la question de l'Union de l'énergie. Un autre doctorant reviendra sur la question de l'expertise, Benjamin Jouve, le rôle des experts et des organisations internationales
dans la construction énergétique européenne de l'interconnexion à la décarbonation des réseaux, parce que serions-nous sans les réseaux électriques européens? Nous ne serions rien, c'est ce que je dis constamment aux étudiants eurosceptiques. Sans l'Europe de l'électricité, nous ne serions absolument rien. Et nous avons aussi une contribution de Élie Tessier, ingénieur économiste de l'énergie, intégrer les questions d'acceptabilité sociale des projets énergétiques dans les réflexions sur le futur mix énergétique européen. Apparemment, Michel et Ursula, ça serait peut-être publié, donc peut-être aux éditions Descartes, il y a une réflexion, on est en train de relire, d'harmoniser les manuscrits, mais pour qu'il y ait au fond les trois dimensions, qui est la dimension trajectoire, historique, et au passage, il y a au moins quatre révolutions industrielles. La révolution indispensable, la révolution du Green New Deal, c'est la quatrième révolution industrielle, dont l'ouvrage de Jérémy Rifkin était passionnant, mais troisième révolution industrielle, c'est en quelque sorte la quatrième, peu importe. Une dimension enjeu donc européen, où heureusement peut-être que l'énergie sera et déjà au cœur des campagnes électorales, et au cœur de la campagne électorale française en particulier. Et puis, troisième élément, au fond, un élément qui paraît tout à fait déterminant, c'est la question d'historiciser donc le temps présent. Il faut absolument historiciser le temps présent et voir au fond ce que peut apporter donc cette question de l'Europe de l'énergie dans la stratégie, dans la prospective énergétique 2030-2050. Donc au fond, les petits pas, la méthode de Jean Monnet, ces questions énergéticiennes, en voyant les questions de l'énergie, c'est la question au fond de la cohérence, de la convergence, et je partage pleinement les trois verbes présentés par David Corman, avec un verbe qui a beaucoup de mal à être appliqué, j'en rajouterai un quatrième en Europe, la question de converger. Comment converger? Voilà. Et oui. Dans cette présentation, mais Michel et Ursula ont beaucoup de précisions à faire. Merci beaucoup, Christophe. Tu as été parfait dans l'exercice. Il n'était pas simple de ramasser ton propos. Je vais passer la parole désormais à Marty Grau-Séguc, qui est chef de service, qui est conservateur pour le Parlement européen de la Maison Jean Monnet. Et donc, retour à Bazoches-sur-Guyonne. Cher Marty, pour le mot de la fin qui appartient donc à cette belle maison Jean Monnet avec laquelle ce projet est construit et dont l'initiative d'ailleurs de ce projet revient. Marty, à toi. Merci beaucoup Michel. Oui, en fait, j'étais censé dire quelques mots en guise de conclusion. Je pense que peut-être on dépasse déjà le temps. Non, en fait… Peut-être on est encore dans les temps, mais bon, bientôt, les temps vont être épuisés. Alors, peut-être, je voulais dire juste qu'effectivement, comme le professeur Bounon vient de nous dire, ce soir, on a eu des présentations et des échanges passionnants, tout à fait passionnants, des échanges qui, surtout les échanges, je pense, très vifs, qui donnent de l'espoir un peu pour l'avenir du secteur de l'énergie, mais aussi de l'avenir de notre planète, parce qu'il s'agit de ça, comme ça a été souligné par tous les intervenants. Alors, on attend avec impatience le travail écrit et le travail de recherche, surtout, qui va être fait, qui nous a été présenté, on va dire, en première. Et voilà, je pense que ce que je voulais faire très brièvement, c'est de survoler les trois conférences qu'on a eues depuis le début du cycle. Pour la première conférence sur le traité de Paris, c'est qui motive un peu le cycle dans son ensemble, le 70e anniversaire du traité de Paris. Traité de Paris, premier souffle de l'unité européenne. On s'est aperçu, on a approfondi sur le fait que à la base de la création de la première communauté européenne, il y a l'énergie, il y a un secteur clé. Mais je pense que, et ça, pour moi, ça va être un peu l'idée centrale de quelques mots maintenant. La question importante là, c'est de voir que le choix de charbon et de l'acier s'était fait en raison d'un lien indéniable qu'il y avait avec un discours général, avec un récit général qui parlait à l'ensemble de sujets qui étaient en présence dans un contexte historique très, très complexe. Et ça, il me semble fondamental. Moi, je suis ravi que, surtout
au cours des échanges qui ont suivi les présentations, on a pu un peu rebondir sur cette idée, sur l'idée de récit, sur l'idée d'imaginaire. Ça me semble clé, fondamentale. Je dois avouer que jusqu'à là, j'avais un peu trouvé manqué dans notre cycle un peu cette approche, disons, l'approche de dire, voilà, finalement, on doit s'interroger sur le lien entre l'énergie et tout le reste, en fait. Tout le reste, ça veut dire notre manière de vivre, notre avenir. Et voilà, quand on parle d'avenir, on est confronté finalement à cette question. Alors, peut-être pendant la deuxième conférence, justement, on s'est aperçu que pendant beaucoup, beaucoup d'années, cette méthode de petits pas dont on parlait, en ce qui concerne à l'énergie, ça nous amenait plutôt à un traitement, on va dire, sectorialisé. On va dire, l'énergie, secteur clé, mais finalement, qui peut être traité dans son isolement ou dans ses propres paramètres. Voilà, troisième conférence, on se rend compte et qu'on revient au point de départ, que l'énergie est à mettre en relation directe avec tout un ensemble très 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 vaste des questions qui sont connectées et sans lesquelles on saurait pas faire. Alors, pour moi, ça marque la différence entre la deuxième conférence et la troisième. Jusqu'à là, on a parlé, évidemment, on a parlé de 30 glorieuses, on a parlé de beaucoup de choses, évidemment, mais ça reste dans le passé. On a parlé aussi dans cette conférence d'aujourd'hui sur le fait que, bon, maintenant, on s'est rendu compte autour d'une série de dégâts, disons que la révolution industrielle, l'industrialisation, la production en masse a créé, mais malheureusement, c'est pas une question de maintenant. En fait, si on fait marche en arrière, on se rend compte que même on a même évoqué la restauration, même à l'époque de la restauration, il y avait, on retrouve déjà des traces, même s'il y avait de taux d'utilisation de combustible beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible que ceux d'aujourd'hui. Ces traces se retrouvent encore aujourd'hui dans l'actualité. Alors, on doit reconnaître que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Évidemment, ça s'aggrave énormément aujourd'hui, mais que pendant beaucoup d'années, voire de siècles, peut-être deux siècles, on a eu un modèle de croissance et de production dont on ne se rendait pas compte des conséquences, presque depuis le début. Bon. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a, pour se concentrer sur cette troisième conférence, on a parlé, M. Cormand, il nous a parlé de sujets existentiels pour l'Union européenne. Ça parlait d'extension de la biodiversité. Évidemment, ça a à voir aussi avec la planète, pas uniquement avec la dimension européenne. Avec le besoin de l'Union européenne de redéfinir son objet social, ça me semble très, très important. Très important. Et moi, j'ajouterais à ça, et c'est vrai que ça a été peut-être dit après, mais juste pour résumer, que ce n'est pas uniquement que l'Union européenne doit faire ses devoirs chez elle, de dire implémenter mettre en œuvre plutôt un modèle qui est le sien, qui se donne à elle-même et qui dit bon, je vais faire ça et on le fait. C'est pas uniquement ça, c'est beaucoup plus compliqué que tout ça. C'est on a l'obligation de se rendre compte de ce que ça donne, la mise en œuvre de ce modèle en termes géopolitiques, en termes de rapport avec les autres. Parce que si on fait le devoir, c'est déjà très compliqué, faire le devoir et être impeccable là-dessus, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on doit rentrer dans le jeu, on doit continuer à jouer à un jeu géopolitique avec les autres qui est extrêmement compliqué et dont on ne mesure pas toujours les conséquences ou la signification. Alors, et sur ça, on se retrouve face à des inconvénients. C'est nos propres incohérences dans les temps, par exemple. Comment pouvons-nous donner des leçons, on va dire, aux autres, ou dire ce qu'il faut faire quand nous-mêmes nous avons été piégés par nos propres incohérences
à travers le temps, mais même encore récemment, probablement même encore dans l'actualité. Alors, premier obstacle là-dessus. Deuxième obstacle aussi de portée historique beaucoup plus longue, c'est aussi, avouons-le, le poids encore de colonialisme, de l'exploitation que l'Europe a. De l'Europe a soumis le reste du monde. Quelque part, ces blessures sont encore là et c'est encore un obstacle pour cette communication d'idées, on va dire, pour cette coéducation, on peut dire, entre l'Europe et le reste du monde. C'est un obstacle parce que, tout simplement, il y a des gens du monde qui peuvent nous dire qu'est-ce que vous nous racontez, vous avez fait tout le contraire, ou au contraire, vous nous avez exploité, etc. Je pense que c'est, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une de ces citations apocryphes, comme on dit, mais j'ai entendu dire beaucoup de fois que le président Lula aurait dit lors d'un sommet, d'un premier sommet, maintenant c'est notre tour à polluer le monde. Voilà, c'est notre tour. Hein, Marty, voilà. Il est à Paris demain matin et donc il y a un petit déjeuner, je lui poserai la question. Je vais lui demander. Ah, d'accord. Ouais. Alors, on doit savoir si c'est vrai ou pas, parce qu'on dit aussi que Monet avait dit que s'il devait recommencer, on commencerait par la culture, et ce n'est pas vrai. Alors, on continue à s'appuyer sur ce type de citation, mais après, comme on dit, si non è vero, è ben trovato. Hein. Alors, voilà. Bon, mais ça sert au moins pour illustrer voilà, ce point. J'en termine pour ne pas trop prolonger les choses. Autre terme très important qui a été mentionné, l'idée des projets fédérateurs. Et j'en reviens peut-être à mon point central là-dessus. Et j'insiste, ça a été dit de façon peut-être indirecte, de façon correcte, mais aussi peut-être, mais juste pour synthétiser. Je pense que ces projets fédérateurs et ces changements fondamentaux qu'on espère tous, je pense qu'il va uniquement arriver si on opère une révolution chez le consommateur. Je pense que ça a été dit, peut-être de façon indirecte. On a parlé, là j'ai pris tellement de notes, mais on a parlé par exemple de, voilà, peut-être d'approche bottom-up, de reconnaissance par les clients de certains. Ça, c'est Madame Maestroni qui nous a parlé de ça. De reconnaissance par les clients des avantages de voilà, d'être entraîné dans une certaine pratique plus écologique. On a parlé d'acculturation aussi. Mais moi, je pense que quand on parlait de réforme des infrastructures, de changement des infrastructures, évidemment, c'est nécessaire. Mais je pense que sans un vrai changement culturel, et ça veut dire qu'on doit trouver vraiment cette... lien, et j'en reviens au départ, ces liens que Monet et Schuman ont trouvé entre deux secteurs, charbon et acier, et un discours qui parle, disons de façon universelle aux citoyens, qui, en quelque sorte, le citoyen voit se résoudre toute une partie très importante de leurs problèmes en s'attaquant à ces sujets, à ces deux sujets assez, disons, après tout, limité dans l'ensemble de choses, de choix, mais on doit pouvoir trouver aujourd'hui ces liens entre la base matérielle et un changement culturel, j'insiste, profond chez le consommateur. Uniquement, ça va être uniquement le consommateur s'il change dans leur pratique, dans leur façon de voir les choses, dans leur vision du monde, finalement, pour pouvoir vivre autrement. Alors, uniquement là, on pourra réclamer et obtenir des opérateurs économiques un changement fondamental des infrastructures et de tout le reste. Voilà, peut-être j'avais noté beaucoup plus d'autres choses, mais je pense que c'est déjà assez voilà, complexe ou assez recherché, peut-être c'est ce que je viens de dire. Je voulais tout simplement remercier encore tous les intervenants, remercier la Maison de l'Europe de Paris pour l'organisation, pour leur soutien, pour leur accompagnement de la Maison Jean Monnet dans l'organisation de ce cycle. On est ravis aujourd'hui de pouvoir tester pour nous, pour la première fois, cette plateforme interface TOLA qui nous permet aussi, de avant et après nos discussions, d'avoir un moment de
voilà, de découverte de notre site à la Maison Jean Monnet, mais pourquoi pas aussi de convivialité dans cet espace networking. J'ai vu qu'il y a même des bouteilles, mais bon, c'est malheureusement qu'elles ne sont pas accessibles. Mais bon, disons qu'il y a, il y a la possibilité de faire un peu plus que d'habitude dans ces événements de visioconférence. Alors, je vous invite à nouveau, on m'a demandé aussi que j'insiste là-dessus, que vous passiez encore un peu plus de temps, si vous le pouvez, à continuer à explorer la Maison Jean Monnet en mode virtuel, les salles, les différentes salles où nous pouvons, nous tous, continuer à discuter pendant quelques minutes. On me dit que jusqu'à 9h, 9h30, c'est encore possible. Alors, pour ceux qui on aura envie, pourquoi pas passer un bon moment encore en ligne. Et il y a pas mal de vidéos, il y a pas mal de matériel aussi qui illustre notre exposition permanente. Et voilà, je pense que j'ai tout dit et je vous remercie à nouveau. Michel, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole et comme ça… C'était parfait. Parfait. Et encore merci à Myriam et à David pour leur dynamisme, leur présence. Je crois qu'on a fait grâce à eux un bon moment d'échange. Et il y a une question, monsieur, madame Koster, je ne sais pas, qui avait une question, donc je pense que ça va être traité sur la plateforme Tola, il n'y a pas de problème. Moi, je vais y aller aussi pour découvrir, parce que je n'ai pas eu le temps de découvrir, donc je vais le faire dans quelques minutes. Merci à toutes et à tous, et puis rendez-vous donc pour les actes et les publications qui vont arriver grâce à Christophe et grâce à son pilotage académique. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Merci.